ça... Alors attends, je vais fermer ça. Voilà. Tu peux y aller? Ouais, vas-y. Il est 17h. Alors où est-ce qu'elle est ma boîte? Il est 17h08. 7h08, ouais. Ok, bon, on va décoller à 5h20. D'accord. On va arriver à 19h à Toulouse, quasiment, quoi. Grosso modo, on va compter 19h à Toulouse. Ouais, le temps de faire les intégrations et tout. Voilà. Alors on poursuit donc notre vol. Attends, voir. Voilà, ici. Bon, je vais prendre celle-là quand même. Je te ferai un signe comme ça pour te dire que c'est... Ouais, je vais, après je prends la carte. Ah ouais. Juste pour montrer comme ça la vidéo. Alors attends, prends plutôt celle-là. Ouais, pour que tu veux, non, mais te casse pas, Pascal. Si, pour entraver le doigt... Ok, alors attends. Bon, alors on va faire du VSV. Aujourd'hui, alors vas-y. Jean-Luc, on fait du VSV. Alors... Et tu rigoles, les instructeurs, ils font ça, ils te foutent la carte comme ça, hein. Allez, t'es là, on est dans les machins. T'as envie de dégueuler tout ce que t'as. Allez, on est parti. Allez, vas-y, on t'écoute. Alors, nous sommes à Arcachon ici. Arcachon. Donc, on a pris les contacts avec les camarades de l'aéroclub. Toujours penser dans les aéroclubs locaux, les mecs sont toujours de très bons conseils. Donc en fait, on va décoller comme ceci, en direction de l'océan. On va prendre un point qui n'est pas sur les cartes encore. C'est un point qui s'appelle Sierra Delta. C'est au sud de la dune du Pilat. Donc on va sortir en Sierra Delta. On aura dans la dune sur la droite. On va rester à 1000 pieds, pas au-dessus, sinon on passe à Vénémilly. On va rester ici, on va passer au-dessus de l'eau et on va re-rentrer dans le bassin d'Arcachon. On va passer devant le restaurant où on a mangé à midi, on va longer la ville d'Arcachon et on va sortir ici au point écho. Et au point écho, on va tirer tout chose sur le terrain de Condom. Voilà. Et après du terrain de Condom dans le Gers, on va tirer sur Fleurance et on va rentrer par le point Whisky Hôtel qui est le point d'entrée de Blagnac. Et en fait, on va prendre un transit obligatoire qui va nous faire traverser les pistes de Blagnac avec une verticale des usines de Airbus. De là, on va filer sur un point ici. Je crois que c'est Eco Alpha, il faudra qu'on vérifie sur la carte. Ouais, c'est Eco Alpha. Ouais. Et de Eco Alpha, après, on s'intégrera sur la piste en service à l'Asbord. On devrait être dans 1h30 environ. Okay. Voilà. Donc, on va passer la soirée à Toulouse. Ça tout va? Eh ben, c'est tout bon. Allez. Donc ça c'était la carte au millionième, derrière Pascal a la carte au 500 millième où on a tracé le log dessus, tout propre. C'est fait, donc le moteur est en train de chauffer, nous aussi derrière la vitre on est en train de chauffer. Là, on va monter un peu donc le son. Bon, alors moi je récupère, tu vois comme ça là. Voilà, il va falloir, il faudra quand même que je récupère ma carte parce que j'aurai besoin de la fréquence d'Aquitaine. Alors, ta carte, elle est là. Juste me la renoter. Elle est notée sur le log, mais je vais la mettre dans ma mémoire immédiate. Condom. Non, on va passer avec SIV Pyrénées, même. Bon. On va passer de Aquitaine avec Pyrénées. Bon, alors ça, on le garde. On fait en sorte que ça s'envole pas. Ah, ça, c'est de la paperasserie. Alors, on passera avec Pyrénées. Donc là on a la thème si on l'a imprimée, crac. Et on va là par là, où est-ce qu'on va? On va par là ici, ce soir c'est bon. Foxy Carcassonne, bonjour. Foxcall, Romeo Fox Yankee, un Aquila, deux personnes à bord, demandons les paramètres pour un vol local. Donc ce qu'on va faire là, quand on va être dans le bassin d'Arcachon ici, pour la 25 000, on va faire un direct tour sur le terrain de Condom. Piste 25, QNH 1019, Fox Yankee. Voilà. En fait, pourquoi j'avais fait ça? Parce que si tu fais un direct tout de là à là, tu passes au sud de la zone interdite, la fameuse P5. Ouais. Voilà. T'es sûr de pas la, la traverser? Parce que lui voulait qu'on passe à Bordeaux-Socats. Qu'est-ce que j'allais foutre là-haut, hein? Ouais. Non, on va aller de là et on va tirer là. Donc c'est LFID. Donc là, ce qu'on peut faire ici, on fait un go-to LFID. Ah. LF. Voilà, Condom. J'attends du Fox X-ray uniforme. Et que quand on sera au bassin d'Arcachon là-haut, on refera un direct tout. Le terrain est déjà marqué, on refera activé, et il nous remettra le track à cet endroit-là. On gagne du temps, tu vois. 3 personnes à bord, on arrive au point Novembre Wi-Fi, à 1000 pieds. Novembre Echo, pardon, à 1000 pieds. Si vous pouvez rappeler vertical Novembre pour la 25 019 au QNH. que vous pouvez répéter s'il vous plaît, Créuniforme. Créuniforme, vous rappelez vertical novembre pour la 25 ans service, QNH 1019. Et toujours tes lunettes, hein, Jean-Luc. Novembre, la 25 ans service et le QNH 1019. Voilà, ici tu veux. Ouais, mais bon. Bon, alors. Lui, je disais, on l'entend bien le moteur. Moi, je dis, on le sent bien le souffle du moteur. Ah ouais, la fenêtre ouverte, oui. Bon, allez. T'as vu? Eh, ça devient technique là, regarde, Jean-Luc. Allez, on va appeler la tour. Oh là. Ah bah ouais, là c'est... Là, deux à bord, là. Ah ouais, non, mais là, c'est... Ça devient sérieux, là. Arcachon, Fox Tango Novembre, bonjour. Tango Novembre, Arcachon. Oh, bonjour, Fox Golf Bravo Tango Novembre, Cessna 172, 3 personnes à bord. Pour un vol VFR à destination de Toulouse-Lasbord, on a pris le QNH de votre dernière communication en 1019. Ça sera donc un départ 25. On aurait souhaité une sortie par le point Sierra Delta à 1000 pieds, puis après remonter l'entrée du bassin d'Arcachon, toujours à 1000 pieds, avec une sortie éco. Souci Tango Novembre, vous pouvez rouler pour la 25 derrière l'Aquila qui roule également. Et pour info, les zones de Caso sont libres. C'est bien pris, madame. On mettra quand même 1000 pieds et derrière l'Aquila au roulage, on roule pour le point d'attente de la piste 25. Bon, c'est tout bon. Bah écoute, Caso est fermé, c'est normal à partir de 5 heures, eux. Ouais. Bon, 5 heures, quand c'est pas 4 heures. Bon, alors. Moi je note en roulage à 17h14. Bah il fait chaud hein, oula. T'ouvres un peu hein. Ah ouais il fait chaud, ah ouais, ah bon. Non bon. On va essayer de pas découper le con avec l'hélice. On n'a rien oublié par terre. Ah mais tu rigoles mais... Des fois les téléphones, tu sais, tu les poses sur l'aile ou sur le capot, des fois t'oublies des trucs hein, faut faire gaffe. D'ailleurs t'as raison en parlant de téléphone là tu vois. Ah ben vérifie. Non mais il est avec moi, t'inquiète. Bon. Alors je vous propose de faire la partie... Putain mais moi après chaque repas quand il me manque un morceau de ceinture, hein. C'est pas possible quand... On déconne, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est pas possible quoi. Parfois je la rallonge quoi, à chaque repas quoi. Je finirai à Avignon quoi, je vais m'asseoir sur le siège arrière quoi. Non mais c'est pas possible ça quand même quoi. C'est le réglage du siège qui doit... Bah ouais non mais c'est ça ouais. Ouais on va dire ça comme ça. Bon allez, SDVFR lancé, j'ai combien sur l'autonomie? C'est pas 74 je crois. Alors, c'est un vrai bazar ce truc. Pas assez vu, on va regarder le paysage un peu, même s'il n'y a rien d'intéressant dehors dans les médias. Voilà. Bon, donc je vais filmer toute la partie initiale et en même temps je vais essayer de prendre des photos de... Ou pas. Il est reparti. Là c'était, comment il s'appelle non, pas Daffy Duck. Woody Woodpecker. Woody Woodpecker. Voilà, bassin d'Arcachon. Bon, vous allez tout va se passer sur votre droite, hein. Tout sur la droite. Ouais, parce qu'on va passer au sud de la dune du Pilat, et puis après on va tout faire comme ça en remontant. Okay. En plus, on aura le soleil normalement sur notre gauche, donc on devrait être pas mal. Alors l'autre, je sais pas pourquoi il met toujours une ou deux minutes là pour... Oui. Bon, ok, on se calme. Jean-Luc, alors tiens, regarde, vas-y, refais le regard inquiet de Jean-Luc. Heureusement, je suis derrière. Hein. Ouais. 9 minutes 41, tu vois, déjà depuis le départ. Ah ouais, je sais pas, qu'est-ce que c'est là, ça check? Donc c'est extrêmement uniforme, on arrive au point novembre. Très uniforme, vous pouvez rappeler l'intérieur 25. On rappelle l'intérieur 25. Très uniforme. Ah, c'est ça, ouais, bien sûr. Un atterrissage, c'est ça? Limite, ouais, novembre, mais bon, le temps qu'elle s'intègre et tout. On est où, nous? Ah bah ça y est, pas trouvé là. Ah bah c'est vite. Arcachon. Approche. Foxandre Noir, on est au point d'attente Alpha 2, on est prêt. Ouais, il est parti l'autre? Non. Ah bon. Oui mais on peut rentrer. Bon, on va laisser l'Aquila quand il sera prêt et vous pourrez y aller derrière en avançant jusqu'à Alpha 3. C'est bien pris. Derrière l'Aquila, on s'alignera via Alpha 3. Les jeunes filles, j'espère qu'il va passer 2 heures. C'est le problème des vols d'instruction, quoi. L'instructeur, il explique et tout, c'est normal, c'est le job, hein. Comme une auto-école en voiture, les mecs, des fois, ils se traînent un peu parce que le gars, il explique des choses. Ah bah, de toute façon, moi, ouais, j'en ai pour... Pourquoi il nous a pas donné de passer à droite? Bah, parce que c'est une couille, hein, c'est tout, hein. C'est comme ce matin, pourquoi elle nous a fait faire tout ce bordel alors qu'on aurait pu s'intégrer en finale, hein. C'est procédure, hein. Bah, là on pouvait puisqu'on était prêt. Bah, c'est pour ça que j'ai annoncé que j'étais prêt pour passer en Alpha 2 quoi. Bah, ouais mais à ce moment là toi tu pouvais pas lui dire bah écoutez vu le temps et machin je suis prêt je décolle à droite puisque t'es un affaire. Ah ouais mais peut-être qu'elle va te dire oui monsieur mais non parce que les règles ici de décollage il faut décoller du bout de la piste donc voilà. Ah ouais. Et ce taxi oui il est juste là pour faire joli quoi. Ah ouais. Alors moi le fait que je lui annonce... C'est très uniforme en vente arrière piste 25. Ouais mais c'est que là on va se tanker 2 heures là derrière ce bon coin. On rappelle bien mes virages parce que c'est uniforme. On est au point d'attente Alpha 3, on est prêt pour un décollage de la position. Ah 320 degrés 10 avant nous. Là c'est une nouvelle alors je lance le cam. Salut, ça va, c'est bien. Voilà, allez tiens. Le film, la GoPro qui me filme. C'est pas merveilleux ça? Non ça c'est pas une bonne idée. Voilà. Allez, hop, c'est un intro. Donc au novembre, je vous suggère de passer derrière le trafic en base, derrière. C'est bien pris, bien sûr madame, il n'y a pas de souci. Par novembre, on maintient Alpha 3. Là, je vous suggère, évidemment, sinon l'autre il va faire la remise de gaz. Hein. Le temps que moi je m'aligne, je laisse décoller, et que je décolle, lui derrière il va faire la remise de gaz. Décollage 25. 330 degrés 10, 10 nœuds maximum 20. Ça peut être uniforme, dernier virage piste 25. 330 degrés 10 à 20 nœuds. Vous faites un toucher extrait uniforme. Alternative extrait uniforme. Je suis d'accord. Donc les rappels vente à la main gauche. Tu vois, c'est ce que je disais par rapport au trafic à Île-de-France VFR. Il y a un côté hyper réaliste parce que si tu mets la TC du simulateur, pour le coup, oula, bah dis donc, il y a une sacrée dérive, regarde comme il arrive. Du coup, tu vois, là on entend des avions qui sont réels puisque c'est des plaques d'ici, les mecs ils ont un tour de piste. Hein. Ouais. Donc sur le simu, tu peux te reconstituer ça à la maison, voler avec des avions du coin. Ah la dérive qu'il y a, t'as vu un peu? La correction de dérive, là tu le vois super bien oui, quand même là, ouais. Tu vois, regarde là. T'as vu là? Non, on le voit bien hein. Et c'est un petit peu secoué quand même. On dirait. C'est un avion de DGAC ça, non c'est pas un avion d'ici. Ça c'est des élèves de l'ENAC. Tango Novembre, derrière le trafic en touch, on remonte la piste 25 et on s'aligne en maintien. Il a fait un petit peu un pontage quand même, hein. Me semble. Il fait qu'un touch. Bah ouais, il avait annoncé. Là il y aurait du monde dans le circuit de suite, hein. Je m'aligne, je décolle. Hein. Ouais. Tu vois. Là, avec uniforme tout bien considéré, on va mettre le cap sur Charlotte. Hein. Voilà. Oui je comprends, rappelez Charlotte. Bah tu m'étonnes. Hein. Le mec il part sur Sierra Delta, parce que là, mon avis, il a dû se faire un petit coup de chaud. Tout bien considéré, on va partir, hein, on s'en va. Oui, je disais... Et les intentions du trafic qui nous précèdent. Sierra Delta également. Okay. Là, tu vois, on a le temps, donc je préfère m'aligner jusqu'au bout. Il y aurait du trafic, j'aurais décollé de la position, mais là, tu vois... On voit les trois... T'as vu, on a les 2 avions devant nous. T'as vu? Ouais, on les voit bien. C'est joli, hein. Ouais. Alors... On a aligné, tu vois il y a une erreur toujours de 5 degrés sur le compas, hein, bon je le sais. Là 250, lui il est bon, ça c'est ok, les breakers c'est ok, lui il est ok, ça volé, le vent il vient de là, donc il va falloir tenir la manche. Tango Novembre, on est aligné piste 25, on décolle pour une sortie Sierra Delta 1000 pieds, une remontée vers le bassin d'Arcachon. Reçu le dernier 23, 130 degrés 12 à 20 nord, appelez Sierra Delta. On rappelle Sierra Delta, Fox 5 Novembre. Bon, le décollage va être un peu chaud, mais enfin chaud. Chahuton. Voilà. Et sur les freins, on est parti. Yeah, 17h22 au top. Allez, la puissance est affichée. Le badin est actif. On n'a pas d'alarme, on poursuit le décollage. 55 nœuds, on le tient. Allez, 60, rotation. On redonne du manche à droite. Voilà. Au revoir la tour. Il faut garder l'axe de piste sur notre avion, ouais, pour pas se faire shooter. La vitesse. On remet un peu du nez. Fox Yankee, on approche Sierra Delta, 1507. A tout à l'heure, Fox Yankee. Tout à l'heure. Voilà. Alors, gazo à gauche. Allez, 300 pieds, on va rentrer les traînées. On va choper les dégueulantes dans le relief, donc ça va remuer, tant qu'on n'est pas au-dessus de la mer, ça va remuer, hein. Ah ouais, là ça fait pas semblant. Ah ouais, ouais, bah ouais. Ah Jean-Luc, c'est pas bon ça? Ah ouais, ouais, on peut dire ça comme ça. Ah ouais, là au moins t'as l'impression de faire quelque chose là. Ah ouais, oui. Pas sûr qu'il soit très à l'aise Jean-Luc là. Oh si, ça va, on va dire ça comme ça. Non mais si ça va pas, il faut le dire. Non, 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 ça va, t'inquiète pas. Ça me gêne pas, hein. Non, 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 non. Non, il a 5 heures de vol maintenant. X-ray uniforme, on passe Sierra Delta à 1000T. Au revoir X-ray uniforme. Au revoir, bonne journée. Merci également. On l'aura vu sur toutes les coutures là. Ouais, la dune, hein. Ouais, ouais. C'est génial ça. Moi je la vois pas encore là. Alors que si on s'était posé en Dernos, la dune, on l'aurait pas forcément vu comme ça. Peut-être qu'un jour je reviendrai, tu vois, sur Arcachon là, parce qu'il est pas mal ce terrain. Bon alors, la dune là, elle est... Ouais. Il est couillon lui. Eh bête à mort, ça y est. Je crois, ouais, effectivement. Madre de Dios, on l'a embarqué. Eh ouais, à force de l'invoquer, il finissait par arriver, hein. Ah, joli. Bon, là, c'est un petit peu en zoom, donc je me fais tabasser, mais... Après, on va l'allonger, de toute façon, hein. Ouais. Bon, alors, il est derrière... Ah, tu vois, regarde, on a pris quand même... Allez, 100 mètres de latéral par rapport à l'axe de la piste. C'est fou, ça. Ouais, mais c'est parce que je suis obligé d'aller chercher Sierra Delta, bah oui, là, ouais. Tu vois. Ah ouais. Parce que je pense que la verticale, ils n'ont pas trop apprécié. Ah bah, c'est sûr. Ah ouais, donc tu dois couper soit avant, soit après. Ah, joli. Bien. Ah, très bien, Phil, très bien, c'est nickel. Voilà, tu vois, l'avion, il est compensé, là. Oh, allez, c'est bon. Après, on a des courants, hein, ça, on peut pas lutter. Ouais, 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 bien sûr. Faut laisser faire. La dune, parce que le vent il tape là et ouais, ouais. On fait des ce qu'on appelle des rotors là. Ah ouais, d'accord. Pour voir de loin, j'ai pas besoin des lunettes. Hein. Ça y est, on est stabilisé, c'est nickel. Je remonte la dune au cap. Bah, c'est chouette, on voit l'océan, demain on verra la Méditerranée quoi. C'est belle hein, la vie hein. Eh ouais. Non, bravo. La c'est comme ce matin. Hein. Ouais. Ouais. Cette espèce de brume de mer là qui... Ah. Ok, trop de zoom. Je croyais que t'allais dire ce brume de merde. Non. Non, non, je suis quand même habitant du bord de mer donc... C'est que je vais m'annoncer là. Fox Tango Nova, on passe Sierra Delta, 1000 pieds pour un virage à droite. Et une rentrée dans le bassin d'Arcachon. Reçu, rappel pour quitter Tango Novembre. On rappellera pour quitter Fox Golf Bravo Tango Novembre. Bah là c'est joli là hein. Attends, je fais une connerie. La porte est pas fermée. C'est pas fermée? Bah vas-y, t'en vas. Non, non, elle est fermée, hein. Ça risque rien. Attends, bouge pas. Ah, non, mais elle est fermée, hein. Derrière, elle bouge pas. Hein. Il y a peut-être un truc qui force. Hein. Vas-y, ouvre-la. Non, non, ouvre-la. Ouvre-la, elle est pas fermée, là. Vas-y. Voilà. Voilà. Nickel. Bon. Alors, et une bêtise, une. Bon, eh, tu connais le tarif? Ouais. Ils vont au moins ce standard. Ouais. Ouais, mais en réel, ça double le tarif, en fait. Regarde si c'est beau devant, là. Ah, ouais, c'est magnifique. Vise plutôt vers le bas, quand même, parce que c'est du grand angle. Ah, c'est excellent, ça. Coucou. Hello, everybody. Everybody. Bon ben la voilà cette fameuse dune du Pilat. Hop là, il y a de l'eau en dessous. Alors on a mangé où nous du coup? On a dû manger là-bas peut-être, la digue je la vois là-bas. Là-bas là. Ouais. Ah oui d'accord, effectivement. Donc là on entre directement dans la baie là. Et ce matin, on était entré par là, à peu près. On était voilà, Whisky, en fait, est à gauche de la dune. Hein, ouais, là. On va se rapprocher un peu pour voir un peu la plage, quand même. Hein. Et donc, on est arrivé, ouais, juste à la verticale des bâtiments, là. Des bâtiments, ouais, des maisons. Et l'aérodrome, ben, ça doit être la structure qu'on voit qui est dans l'herbe, là-bas. Attention, ouais. Je vais essayer de zoomer. Enfin, ça, essayer, c'est pas un problème. A priori, ça devrait... Ouais, peut-être pas, ça. Le resto, on va y arriver là, hein. Il est là juste là. Hein. Ouais. T'approches pas trop parce que sinon je verrai pas. Hop là. De toute façon, c'est pas compliqué pour le repérer le restaurant. Au bout de l'acheter. Il y a un ponton avec un bateau à côté. Ouais. Tu me diras le bateau, il peut avoir bougé, mais. Ouais, moi, qu'on regarde sur le simu d'ailleurs, tiens. S'il y a ce ponton là, on va le rajouter, ça sera rigolo. Magnifique. C'est vachement large quand même hein, le bassin. Ouais, c'est très large, c'est grand. Hein. Large tu t'approches beaucoup Phil, j'ai pas le voir. Là je vois plus rien, tout ce qui est en dessous je vois pas là. Bouge pas. Hop là. Là. Ok c'est bon, nickel, parfait, au bon moment. Stabilise et je vous zoome. Voilà, donc, le ponton avec le bateau, voilà, ici, très bien, table, et zoom sur le restaurant, voilà, on était là sur la partie gauche, en bétonné là, juste à l'angle, hop là, et quelque part derrière, voilà, on voit où il y avait l'église, on est allé au sommet là, voilà, avec la statue ici. Nickel Phil, nickel. Donc une vue globale sur toute la partie... habitée. Et donc tout à l'heure on est allé au port qui est là-bas alors. Non, le port il est là-bas même. Ah oui, bien. Ouais, puisque c'est derrière la grande roue. Ouais, c'est derrière là-bas. De toute façon... Oh, ils ont un cimetière ici. Ah, t'as vu là, c'est complètement à sec alors que ce matin ça ne l'était pas. Hein. Il y avait un bout. Oui, ouais. Bon, alors, avant que tu vires, je fais un petit zoom. Ou tu commences à virer, tu me dis. Voilà, bon, j'ai fait un petit zoom. Sur la ville. Et en bout d'elle, là-bas, on a le port. Et bon, tu peux y aller, Phil, quand tu veux. Station de Foxcop, Juliette Zulu Fox, bonjour. Zulu Fox, Arcachon, bonjour. Oui, bonjour, nous sommes à un BR400 avec 3 personnes à bord qui partons pour un vol local et peut-être des tours de piste. et demandant les informations pour décoller. C'est la 25 en service, QNH 1019, unité 9, et le dernier vent 320 degrés, 10 à 20 nœuds. Piste 25, QNH 1019, merci. Arcachon de Fox en roule pour Alpha 3. Vas-y, tu peux le prendre le manche. Non, j'arrive, voilà. On longe la côte jusqu'au bout là. D'accord. Et à un moment donné, on va tirer droit sur Condom. Attention, stabilisé, je zoome. Hein. Le but du jeu, de retrouver le bateau de GG. Là, on avait un gros point de repère, là, il y est toujours, là, ok. Allez, hop, bateau de GG. Il est quelque part derrière, là. On va avoir du vent dans le cul, là, bientôt, ça va envoyer du steak, là. Alors, c'est encore Arcachon, tout ça. Tu veux la carte? Merci, ouais, vas-y, je te laisse. Ouais, c'est Arcachon. Après, c'est quoi? C'est la Teste après ou quoi? On voit bien le terrain là-bas. J'ai la 500 millième, hein, si tu veux. Ouais, c'est surtout pour toi, si tu veux faire tes commentaires pour la vidéo. Je me demande si après, là, c'est pas la Teste, ça, non? Alors, ben, le problème, c'est qu'évidemment, c'est de l'autre côté. Donc, ouais, c'est de l'autre côté? La Teste, c'est pas là, en fait, c'est derrière. D'accord. Arcachon est en façade et la Teste est derrière, si je comprends bien. Et là, c'est quoi ce village, alors? Bah, je sais pas. Alors attends, un petit zoom sur... Ah mais c'est peut-être la Teste, oui, parce qu'en fait c'est le bout de la Teste qui est devenu l'Arcachon. D'accord. C'est comme c'est vachement plus grand et qu'il a dit qu'il y avait plus d'habitants. Ouais. Ça fait chier le bassin, il est pile poil sur la pliure de la carte, quoi, ça en est connu, hein. Ouais, exactement. C'est l'enc... Quel que soit le 1 millionième ou le 500 millième, c'est pareil, hein. Quel... Alors... Là on va pas tirer droit sinon on va s'empêcher la zone. Bon derrière on est en plein soleil donc c'est pas une bonne idée. LFID, allez c'est bon, hop. De là on va tirer sur LFID. Faut tourner un coup de go-tour, hop, hop. Et là faut prendre un cap au 125. Il faut peut-être passer les zones habitées. Juste voilà, tu te glisses là entre les deux, entre la zone habitée et l'espèce de d'usine qui a au bout là. Et là on arrive au point, ah, j'ai déjà oublié le point. C'est pas Whisky Delta? Je viens à l'Alzheimer moi quoi. Hein. Non c'est Echo. Echo, Novembre Echo, Echo. Et on arrive sur Echo, Novembre Echo dans 15 secondes là. Fox Tango Novembre, on arrive sur le point Novembre Echo pour quitter le circuit vers l'est en direction de Toulouse. J'ai reçu, quitter, au revoir. Au revoir, merci pour votre accueil, à très bientôt madame, au revoir. Voilà, on va pouvoir y aller. Je te refais un nouveau track. Hop, hop. Aquitaine, Fox Tango Novembre, bonjour. Bonjour Tango Novembre. Bonjour monsieur, Fox Golf Bravo Tango Novembre. Un Cessna 172, 3 personnes à bord. On vient d'être libéré par Arcachon, dont on a décollé. À destination de Toulouse-Lasborde. On est à l'extrémité au est du bassin d'Arcachon. Sur leur point leur point éco et on fait route sur Condom en passant correctement en dessous de la P5. Bravo Novembre, Tango Novembre pardon, transpondeur 1230 QNH 1018. 1230 1018 QNH Fox Tango Novembre et on va libérer 1200 pieds pour 2000 pieds. Aquitaine Info, bonjour, du Fox Golf uniforme X-Ray Québec. C'est Québec, bonjour, je vois un peu. Oui, alors vachement aimable lui, hein. Fox Delta Juliette, on arrive sur le bord de côte et on remonte presque côte nord à destination de Soulac pour passer Soulac et destination Royan. Reçu. C'est 80. Bah là, prends Fox Golf uniforme X-Ray Québec, j'écoute. Oh, c'est pas si bon. Bon. 400 provenance de Soulac, destination de Agen, nous sommes actuellement à 1900 pieds QNH. On va chercher le track là. et me feutrons monter à 2005 s'il vous plaît. En fait quand tu montes comme ça, la solution c'est faire attention à la bille. Ouais mais voilà. Ouais. Donc on met du pied. On va chercher les 80 nœuds, on se fout ce qu'il y a dehors pour l'instant. Ouais. 80 nœuds, on a la bille, on a le vario positif donc c'est bon. On décroche pas toi. On est bien en positif. Tac. L'alti confirme qu'on monte. Et on tient nos 80 nœuds comme ça, le temps de la montée, tout en jetant un petit coup d'œil au track. On vient s'éloigner de la P5 qui doit être à gauche là-bas. D'accord. Alors pourquoi je monte à demi-pied? Tout simplement parce que tu vas voir, on va traverser une partie des Landes. Ouais. Et il n'y a que des arbres quoi. D'accord. Ouais. Active et les Roméo 31 vous voulez dire? Oh là on en est loin de la P5 hein. Allez Charlie Yankee, j'ai... Oui mais c'est pas pour ça que j'ai dit ça. J'ai pas capté, je vous crois. Si on a une panne moteur, on se finit vers les arbres. Hein. J'ai compris. Donc il faut qu'on soit un peu haut quand même pour planer et essayer de trouver correct. Un échappatoire. Alors, il y a un très bon échappatoire en fait. C'est les zones où tu as les zones coupe-feu, tu sais qu'ils font. Il y a des endroits dans les forêts, ils se mettent pas d'arbres pour arrêter les feux. Donc c'est un bon endroit ça. Golf India, 7000 et contactez Limoges 124 05, au revoir. Ah, regarde, Phil à gauche. Direct en boudelle au fond là-bas, on a la P5. À gauche là-bas? Non, non, à gauche 90. Dans le prolongement de tonnelle, légèrement en arrière maintenant. Encore aller là-bas, la zone P5? Ouais, je pense que c'est ça, ouais. D'accord. Ah oui. Ouais, bah là je suis parti trop bas là, je fais n'importe quoi là. Parce que visuellement, c'est le seul truc qui peut ressembler à P5 dans les secteurs. Là, par rapport à la carte, on est... ouais, enfin, toi tu la petite passe sur la 1 millionième, donc... On va aller rechercher le cap comme ça à gauche. Hein. Ouais. Ça te va? Tu veux le reprendre hein, tranquillement? Tu reprends tranquillement le truck, pas peine à le chercher de suite, tu vois. Même si on va redonner le cap. Alors le cap, ben, je vais t'en redonner un comme ça, on va faire la courbe du chien, c'est pas très grave. Regarde, hop. Pof, 125. Et là on est au 100... 115. Là on est au 115, donc il va falloir tourner un peu plus à droite là encore, hein, légèrement. Voilà. Bien. Allez. Vas-y encore un peu. Ouais. C'est bizarre qu'il met 125 alors que là. Ouais, on est dessus là. Ouais, pourtant on n'est pas 125 encore. Faut se méfier là, au zoom aussi hein. Ouais. Voilà. Après tu pourras corriger en fonction, on risque d'avoir on verra un petit peu de dérive. Hein. Compensateur, qu'est-ce que ça te dit? Ça te va ou ça va, c'est bon. Ah ben voilà, nickel. On a la vitesse, on a l'altitude, on a l'écoute de la fréquence. Donc là, on va passer au-dessus de Bledville. On est à Condom dans 30 minutes. C'est le point le plus long, Condom, parce qu'après, ça va s'enchaîner vite. Hein. Arrivé sur Toulouse, ça va aller très très vite. Bon, alors, Bledville, on s'en fout. Là, finalement on a eu du bol parce qu'on s'est posé du bon côté pour voir la dune et on a décollé du bon côté pour voir la dune. Là on va passer une autoroute, okay. Pascal, on passe une autoroute, hein. Ouais. Boum, 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 boum. Est-ce qu'on a des lacs quelque part devant nous là? Des lacs? Ouais, des grands étangs. Bledville, on peut pas être déjà là, on est déjà plus loin, ça doit être ce Bledville là. Il y a un autre Bledville ici, moi je serais tenté de dire comme ça, on parle rien du tout. Non, je dis rien du tout, je regarde. Ah, je suis en train de m'écarter là. Ok. Là c'est pas évident parce que t'as vu on a un horizon qui peut boucher. Ouais. Ah, donc il y a une grande route là, ouais d'accord. Faut essayer de trouver un repère visuel par exemple. Grande route. Ouais mais t'as quand même de la dérive donc... Le trafic est croisé, descendez 5000 pieds 1018, Bravo Delta 053, autorisé RNAV 05. On descend 5000 pieds 1018, Bravo Delta 053, autorisé RNAV 05, à France 46 à 22 fois. Là les trafics qu'on entend, ils se posent à Mérignac, hein, à Bordeaux. Le Air France là. Alors, car oui, si vous remontez sous peu, il faudra m'appeler assez tôt, j'ai un traficier FR qui va survoler le terrain. Attends, là, je préfère que tu le tiennes parce que là je le sens pas. Pas de soucis, t'inquiète pas, regarde, t'inquiète pas, regarde. Ça bouge un peu trop pour moi alors. Ouais, ça tourne un peu. Toxic sur Tango, rebonjour. Toxic sur Tango, rebonjour. Ah tu vois, j'ai peur de faire une bêtise. Je sais, mais... J'ai collé de Stroke 4, 2000 pieds, 1018 pour un retour sur 1040. C'est pas grave le contrôle. Reçu, mais on peut pas bêtir. La route vers Bisca et rappelé pour quitter. On Bisca, on rappelle pour quitter, on met 2.30. Tiens, Mixé Tango, transpondeur 12.30. 12.30, transpondeur Mixé Tango. On va le laisser monter tout seul, tu vois, il y a des courants ascendants. Ouais, ouais, c'est... Fox Golf Tango, Charlie Yankee, fréquence. Allez, Charlie Yankee. Charlie Yankee, j'écoute. C'est pour faire un essai radio, Charlie Yankee. Je vous reçois 2 Charlie Yankee. Il va y avoir des masses d'air par moment. Voilà, des fois il s'arrête de monter. Ouais. Faut le laisser faire. Ok. Il doit y avoir un peu de honte, tu vois. 19 Mike, descend 5000 feet 1018, clear down of approach runway 05. 5000 feet 1018, clear down of 05, Lufthansa 19 Mike. Là il est repéré sur la carte, je pense. Est-ce que tu as l'info du Fox Extra Québec? Est-ce que vous avez écouté Pascal? Il faudrait que tu me donnes la fréquence du SIV Pyrénées. SIV Pyrénées. On va pas tarder à rentrer dedans. Alors, j'ai SIV Pyrénées de surface 126-525. Bon, on est loin. Je vous suggère d'éviter de survoler le terrain au cas où. Ok, je vous remercie pour le... On a plus de 20 nautiques. 126, 125, c'est ça? C'est ça. 525. Il va nous la donner la fréquence, mais oh, bah, de toute façon on en est loin. Parce qu'en fait on y rentre quand on est à proximité de Mont-de-Marsan. Enfin à proximité, c'est tout relatif. Quand on aura vu la prochaine autoroute, quand on est un peu plus au sud, on sera pas loin d'y rentrer. Ok, donc moi j'ai identifié la position comme étant ici. Voilà. Là je faisais mes premiers cours de pilotage, ça bougeait énormément, évidemment à Avignon ça bouge plus qu'ailleurs, enfin pas plus qu'ailleurs mais ça bouge avec le vent. Et donc ça bouge quand même, hein, ouais. Avignon ça bouge, c'est qu'on est habitué à bouger comme ça, c'est pour ça que peut-être à des étangs à gauche, c'est pour ça que c'est ça. Lire une carte en bougeant etc au début c'est impossible à faire, ouais. t'es malade et après tu prends l'habitude. Et mon instructeur chaque fois qu'on allait quelque part, c'est lui qui m'a initié au voyage. Ouais. Il adore les voyages, donc il m'a initié et du coup c'est pour ça que j'aime les voyages. Ouais, bah, tu m'étonnes. Et du coup, si tu veux, les premiers vols qu'on faisait, on allait manger, on allait pas loin, hein. On allait à Montélimar, à Valence, il y a 1 heure de vol. Ouais. On allait manger et puis on revenait. Et chaque fois qu'on faisait ces vols-là, au début, hein, les premiers mois, moi j'adore l'eau pétillante, j'adore ça quoi. Ouais. Il me disait non, je prends un coca, non, mais il dit prends pas de pétillant. Parce que quand t'es pas habitué au vol et aux vibrations, aux turbulences, quand tu bois des boissons gazeuses, bah ça te fait des flatulences, et t'as le vent tout ballonné, et ça peut générer des nausées. C'est composé des R400, même altitude... Non, moi c'est pas ce problème-là. Moi c'est mon oreille à terre, mon problème de vertige. Mais j'avais noté qu'il y avait une mauvaise perception des mouvements, et ce que j'ai peur, c'est de faire un rattrapage trop violent ou un truc comme ça, tu vois. Il n'y a pas un risque parce que c'est un avion, on a eu des vitesses largement élevées pour on n'est pas en vol lent comme on faisait un décollage. On a vu quand on a décollé l'avion, je le tenais mais j'étais obligé de sans arrêt corriger parce qu'en vol lent, les commandes sont molles et l'avion est très sensible à l'aérologie quoi. Là sur des situations comme ça, à part vraiment de faire un truc complètement loufoque, je risque rien. Ouais, d'accord. On va passer des lignes de tension en principe. D'accord. Et comme je disais hier à table, hier soir on en parlait justement le tort qu'on a des fois c'est surcorrigé. Ouais mais en fait c'est ma crainte hein. Non mais tout le monde fait ça hein. Ah ouais. Tout le monde surcorrige. Alors qu'un avion c'est comme un bateau, tu le laisses faire, il reprendra toujours sa position. Après je dis pas qu'il faut laisser le manche libre, mais si il y a une aile qui se lève, tu mets du pied du côté de l'aile qui se lève, ça suffit. Ouais d'accord. Après si c'est pas suffisant tu mets un petit coup d'aileron, mais c'est pas la peine d'amplifier. Ouais. Parce que le courant lui il est comme ça. Et il te demande de le suivre. Si toi tu le contres, t'es contre-courant, et du coup tu en prends encore plus. Ouais. Ta ligne de tension, elle est là-bas. Ah oui. Ok, c'est bon. Et ça, elle passe à proximité des lacs. Devant nous, on va juste sur notre avant droit, je pense. Oui. Des espèces de marées, des trucs comme ça là. D'accord. Comme des flaques. L'âge à gauche, j'ai une espèce de lac à gauche là-bas. Ouais. Ouais, juste de l'autre côté de la ligne, c'est ça. Donc par rapport à la ligne que j'ai fait tout à l'heure, on est allez, un nautique à droite. Mais bon, tu te rappelles qu'elle était à l'estime, hein. Enfin, à la louche. Donc c'est bon, je sais où on est, je sais où on va. Donc un top à 17,22, 9 plus 37, ça fait 46. Donc ça fait une arrivée Condom 18,06. Attends, je suis en train de me planter. 07. Y'a quelqu'un qui essaye de parler ou que j'entends pas ou quoi là? Non, 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 c'est bon, t'écoutes. Hein. On voit les lignes auto-tension là. Ouais, on est dessus là. Voilà. Okay. 43, 48. Ouais, non, mais c'est ça, c'est la radio que j'entends en fond. Ah bon? Ouais. Correction, Lufthansa 19 Mike, speed 160. Heureusement que tu nous le dis. Just wanted to warn you. On est sorti des zones ou pas de. Okay. Des zones de quoi? De Aquitaine, non? Ah non, on est encore dedans pour un petit moment là. Ok. Ah ouais, on a plus de, on a 30 nautiques encore. Ok, ça marche. La France 46 nombre de fois, la tour 118 3 bas. Alors tu vois, le GTM, c'est génial parce que le GTM, tu cliques là où tu es, il te dit sur quelle fréquence tu dois être. Tu sais avec quel SIV tu es. Ah ouais, d'accord. Par contre, à 3000, t'as le TMA Aquitaine 2. Cassé. No problem, no problem for me, one man Mike. T'as entendu, Phil, à 3000, là t'as une TMA classe C, hein. À 3000 pieds. Ouais. Ouais. Bon, ça va, on n'est pas à 3000 pieds là. Non. Non, parce qu'en fait, tout à l'heure, on s'est fait vachement branler avec Jean-Luc, ça bougeait dans tous les sens. Et hop, c'est normal. Du coup, là, direct sèche. Ah, pas tiens, on restait là. Hein. Ouais. Je suis direct sèche, on montait 140. Je suis partisan, ça marche, hein, on touche plus quoi, parce que. Ils vont vouloir monter à 3000. Box, Hôtel Lima Romeo Alpha, contacté. La Rochelle. 124 décimal 2. Ah, ça on est bien là. Alors, voilà. 124, 2, donc on est là pour l'instant, pas besoin de changer. C'est vrai que tu passes dans Pomélande, là tu te demandes où c'est que t'es, hein, en fait, vraiment. Ben là c'est le trou du cul du monde là. Alors j'ai dit quoi, 17 parce que dis donc, 48. Pas beaucoup de... Bah, c'est le Gers, après on t'a tapé le Gers, tu sais le Gers c'est rural hein. Mais point de repère c'est pas ça. Hein. Ah, c'est plat. C'est plat, il n'y a pas grand chose. Heureusement, il y a de temps en temps, t'as une ligne haute tension, t'as un petit lac, mais bon. Ok, thank you very much. Donc 5 nautiques, 3 minutes. 48, ça on va faire 3 minutes, on est à peu près à 5 nautiques. On va avoir une sorte de bled en dessous. Un bled. X-ray Tango, vous pouvez afficher 7000 équité, au revoir. 7000, on quitte la séquence, au revoir. Là on commence à rentrer dans la zone, tu sais, à 8000 pieds là. Ouais, à mon avis c'est celle-là. La zone à 8000 pieds, elle est là. Ok, bah c'est vraiment Bledville là. Bah, comme Landes même. Et là tu vois, sans rien toucher, l'avion il monte tout seul, hein, donc on va pas le... Ouais, okay. Ouais. On a une petite route qui va d'un patelin à un autre là-bas. Là-bas il n'y en a pas. Ok, visuel. Les panneaux solaires ils sont pas indiqués sur les cartes quand même si? Bah je crois pas, non non. Non non. Parce que là il y a un truc qui pourrait ressembler à des panneaux solaires. Non c'est pas ça. Tu dois avoir les éoliennes, c'est plutôt des espèces de marées. Bordeaux 133,77, au revoir. 133,77, au revoir, Europe 46. Tu verras demain comme si on passe sur Carcassonne et les Ignans. Ouais. Oh putain des éoliennes, t'en veux aller à les Ignans, ça en éclafie quoi. Alors. Donc là, on profite de l'aérologie locale. Ouais ouais. Et en plus en haut il y a le petit phare, on est juste ici, ouais. Voilà. Ah, derrière le doigt là. Ça se voit, il y a le patelin ici, derrière là-bas au fond. Et entre les deux il y a une route, coupe en ligne droite. Comme ça on l'a traversée perpendiculairement, pas de doute possible. Il s'éclate Pascal, il s'éclate à lui. Il est imperturbable. Tu lui donnes une carte, une calculatrice, une règle. Il s'éclate quoi. Ah bah quand tu commandes 2 cafés, il te laisse air. Peut-être pas quand même. Non mais c'est génial parce qu'effectivement c'est agréable de suivre la nave. Hein. Surtout que là c'est génial, c'est un jeu qui est extraordinaire. T'as intérêt de savoir où tu es parce que putain c'est pas le bled. Ah là, ah bah, là je peux te garantir que Bledville c'est Bledville. Ah bah tiens tu vois ce qu'on voyait sur la carte ici. Bon je parlais à la caméra. Hein. Ouais. Tu vois la caméra, ce qu'on voit ici là. c'est Bledville qu'on voit là. Et on travaille sur la route. 44 Québec qui court, descente 150 sur les B205. Voilà, ici, là, rac. Bonjour Chirac 44, ouais. Québec et rigolo, c'est bon là. Ouais. Descendez niveau 8-0. Ah non, faut zoomer, ok. Là. Oh, je crois que c'est des... 0,5. C'est l'arrosage, ouais, ouais, c'est ça. C'était des trucs que tu voyais beaucoup aux États-Unis avant. Oui, non, tu commences à les voir en Europe. Et ouais, et en France. Il n'y a pas moyen d'avoir la 11 pour l'arrivée. C'est des terrains qui ont été gagnés sur de la verdure, tu vois bien. Et oui, on part en plein milieu d'une forêt. Il y a un tas de zones R quelque part sur la droite là, c'est l'enfer du R. Regarde, tu as des crop circles à gauche. On a une R115 Charlie de surface à 7800 pieds. Ok. Donc si tu continues, ouais, oblique légèrement à gauche. Bledville, ici. On devrait la tangenter si on reste sur cette trajectoire là. Parce que là, elle est vraiment... Victor Kilo, rejoignez Chiraco à 1500 pieds, que la Chouille dit la tour... On a les Martiens qui ont atterri. 118.3 sur Chiraco, 1500 pieds, QNH 1018, Victor Québec. Kilo, pardon. Hop là, la preuve, hein. Les Martiens sont parmi nous. Ah ben là, c'est un truc de malade, ça. On savait qu'on en avait déjà un depuis longtemps. Ah, il y a une route... Comme Juliette, Alpha Yankee, bonjour. Ok, il y a une route, il y a un bled quelque part là. À bord, en provenance de Bron et à destination d'Arcachon, Lima Fox Charlie Hotel, à 4500 pieds, 1017 au QNH et transpondeur 7000. Monsieur Fox Alpha Yankee, vous affichez 1210 au transpondeur, le QNH 1018. Alors voilà quoi ça ressemble, le navigateur. 1210 et 1018 au QNH. Voilà. Ouais. Le doigt, celui-ci, la carte. Bonjour, bravo papa, bonsoir, montez niveau 135. On va prendre le bleu là, ça y est hein. Bravo papa. Là, progressivement là. Ah oui. Aquitaine info du Fox XY, nous souhaitons pardon, quitter la fréquence une petite minute pour écouter la piste d'agent s'il vous plaît. Fox XY, Québec pouvait quitter et rappeler de retour. Ok, on passe au-dessus d'une petite ligne de tension. Ouais, indiqué dans la carte VFR. Ok, c'est bon Phil, là on passe bien en dehors de la mer. Parfait. Juliette Bravo, X à Oscar, provenance d'Andernos, administration de toucher le noble, une personne à bord, QNH 1018, 2000 pieds, en transit jusqu'à La Rochelle. Voici Oscar pour un suivi d'information. Sucre Oscar, le transpondeur 1230, QNH 1018. 1230 au transpondeur, QNH 1018, Oscar. Il faut surtout pas prendre de gîte à droite, parce que sinon, on va la tangenter vraiment. On est pas mal là, non c'est bon, c'est bon, c'est bon. Delta Juliette, nous sommes traversés là pour tous les passagers et croyants. Delta Juliette, c'est approuvé. Le largeur de Para à Royan est peut-être... Ça y est, je vous disais que c'était une partie du vol. Peut-être visite visuelle, bon ça c'est... Delta Juliette, c'est moyennasse quoi. Ouais. Après Toulouse ça sera mieux parce qu'on aura la montagne noire à gauche et les corbières à droite. Ouais. Après on va arriver mais sur le littoral, bon on aura le panorama beaucoup plus agréable. Là ici c'est plat comme la mer. Très bien que ça Québec, vous approchez de la mer. J'imaginais pas que c'était aussi plat par ici. Ah ouais le Gers, voilà. Dans 3 minutes on passe au-dessus de l'autoroute. Quand il fait beau, au fond tu vois la chaîne des Pyrénées mais là c'est tout brumeux. D'accord. Ouais. Là on passe à 500 mètres de la zone R quelque chose là. Quand je dis 500 mètres, c'est pour dire proche, hein, parce que je sais pas à quelle échelle elle est cette carte. D'ailleurs, finalement, c'est un truc qui manque, ça. Ah, d'accord, ok, on a un Patelinville là. Ça s'appelle... Cap... Je sais pas quoi. Captieux. En tout cas, on a un bon vent arrière, là, ça nous fait du bien, là, ça nous fait gagner du temps. Ouais, c'est ça, Captieux. Approche is 368 Alpha, which is going 7-0. On gagne une dizaine de nœuds, mais bon, 10 nœuds, c'est tout ça de gagner. Identified, simple, level 140. Level 140, Z368 Alpha. Donc, 1807 Condom, ça fait dans 7 et 3 dans 10 minutes. 10 minutes. Là il y a un truc qui m'échappe. C'est vrai que souvent on parle de la Creuse, tu vois, ou la Corrèze, des endroits paumés. Bon, bah ici je suis désolé, quand t'habites là... Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Ça pas mieux, hein. Ah ouais, ouais. Bon, ça peut pas être 1807 Condom, puisque moi j'avais pris par rapport au top départ, mais c'est complètement faux. Ah oui. Condom, je vais te donner la distance exacte. Attends, attends, me dis rien, je vais essayer d'abord de deviner. Ah. Bah de toute façon, SDVFR, il me dit qu'on est à 18 minutes, là, à peu près. Donc je sais où on est à peu de choses près. Je vais prendre ma petite règle, si je la retrouve. Incroyable, il y a encore des pins des Landes encore dessous de temps en temps. Vertical autoroute. Ok, très bien. Alors, vertical autoroute. Le long des traits. Ils sont en train de peler le terrain là. Ouais. On est à 34 nautiques. On fait du combien là? On fait du 110. 110? Bah, dans un peu plus de 15 minutes, 17, 18 minutes, 17 minutes, allez. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, par rapport à SDVFR, c'est de l'ordre de 17 minutes aussi. 16-17 minutes. Il te dit quoi ton GPS? Ah, il me dit pas le temps. Il me dit 34 nautiques. Hein. D'accord, bon ben ça 34 nautiques, c'est ce que je viens de mesurer, ouais. Ouah, ma règle elle est bonne, ma règle. Bon, alors. Eh ouais, qu'est-ce que tu veux? Par contre, on voit que devant, là, il y a des nuages, le ciel il devient blanc. Ah ben disons que ça y est, le ciel bleu c'est fini, on le verra plus. 404 Québec Echo, descendez 3000 pieds QNH 1018, autorisé approche RNAV 05. C'est la fameuse couche à 8000 pieds. 1018, autorisé approche RNAV 05, chez 44 Québec Echo. Alors justement, la TMC, la TMC, la TMC. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Alors, TMC, bon, ouais, donc on est passé dans celle qui est Broken Overcast de 4 à 6000 en SC Matokuku. Is it 368 Alpha, contact Bordeaux 133775, goodbye. 33775, is this an Alpha Vibe? Hop, 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 hop. À 15 minutes sur destination. Ah, ouais, donc. Ok. X de SDVFR. Bon, c'est pas super passionnant hein, là. Ouais, non, mais bon, mais on le savait, hein, cette zone là, de toute façon, faut la faire. Hein. Donc là, on va passer au-dessus d'une R46 Alpha de surface, alors non, de 800 ou surface. À 2100 pieds. Approach, good afternoon, fraction 599 Romeo, we're on a short air force event, departure passing altitude 6500, climbing flight level 70. Fraction 599 Romeo, bonjour, climb flight level 140. Climb flight level 140, fraction 599 Romeo. Ah tiens, il y a une route là. Ouais, on passe au-dessus d'une route. Et une route là. J'ai pris un top moi pour l'autoroute là. Non, c'était 58 je crois. Bravo papa, le largage est approuvé, rappelé en descente. J'approuve, j'en peux rien descendre, bravo papa. J'ai le conflit qui commence à flotter là. Oh putain. Donc 17h58 plus 15, ça fait 18h13. Donc normalement on devrait être pour 13. Mon mémoire top est bon. On est à quelle altitude là? 18 1800. 5 Nano Romeo, direct très gentil. En fait, pas conduit c'est la période longue, là, il n'y a rien qui se passe. Par contre, après, ça va s'enchaîner. D'accord. Parce que tu vas voir, quand on va, je vais allumer la tablette à ce moment-là. En fait, à partir de Condom, on va passer le village de Fleurance. Et juste après, on a le point d'entrée de Blagnac. Et là, ça va, ça va s'enchaîner. Hein. D'accord. Fox Charlie Yankee pour contre radio. Fox Charlie Yankee, jour 65. Là, ça va être super intéressant. Également, maintenant, on est ministère de la radio. J'arrive à la minute de la sortie de votre SIV. Est-ce que je passe avec Pyrénées? Voilà, bonne idée, Charlie Yankee. C'est plutôt Biarritz, là, hein, là où vous êtes. Et transpondeur 7000, au revoir. 7000 avec Biarritz. Oui, plutôt oui. Merci et bonne journée, monsieur. Actuellement 76 fois en Quelle heure Pyrénées dans 5 minutes. 5 minutes pour changer? Ouais. Bonjour, top 649 Kilo Hotel. Identified sample level 140. Sample 140, top 649 Kilo Hotel. Mais là, t'as plus de point de repère avec Bledville, là, t'as plus rien du tout. S'il y avait une route assez rectiligne. Ok, c'est l'information, ça n'est que 36, bonjour. Bon, après, on aurait connu, si on avait voulu, pardon, si on avait vraiment voulu la jouer. Départ de Pellegrin, destination de Poitiers, 5 personnes à bord pour bénéficier de l'information de trafic. Regarde, ici t'as le VOR, ouais. Eh bien vous êtes identifié, QNH 1018. Ah, non, parce qu'il y en a deux, il y a Agen et Toulouse, Agen, ouais. T'as le VOR d'Agen là. Et tu vois, on prend un compte d'eau, nous. On aurait pu prendre le VOR d'Agen. Alors il est sur quelle fréquence? Tu vois sur ces quoi? Tu nous donnes la fréquence du VOR d'Agen, Pascal? Yes, quand je sais où je l'ai trouvé, enfin où il est. Agen, c'est quelque part sur notre gauche, on est d'accord? Ouais, ça y est. C'est au-dessus de Condom. En gros, à droite. Ouais. AGN, ça y est, Agen, AGN, 114.8. 114.8. Donc là, on va mettre 114.8. Là, tu vas voir, lui, il va bouger. Donc il s'appelle Agen, mais il est plus près d'un aérodrome qui s'appelle Beaumont, tu sais. Il y a 20 nautiques déjà. Donc tu vois, Agen il est là. Nous on va vers ce point, on doit être par là à peu près. Ouais. On doit être sur un radius de 180 à peu près, je dirais, non? J'allais te dire 280, 290. Voilà, regarde, tu vois. Donc c'est cohérent. Regarde, exactement, on est actuellement, ça bouge en permanence, hein. On est quasiment à 280. Donc ici tu prends un trait. Tu tires 280, tu tombes là, tac, donc on est par là. D'accord. Voilà. Donc ça c'est un bon moyen de radio-navigation. Ouais. On aurait pu faire un direct sur le VOR en utilisant lui. Ouais. Et une fois qu'on était au VOR, on prenait un radial pour aller chercher le coin Whisky Hotel. Il y a Whisky Hotel, après on fait le transit. D'accord. Voilà. Phil, on aura une route assez importante, on va dire, pour et ça signalera qu'on sera très proche de Pyrénées. Ok. On va quasiment la couper perpendiculaire. Alors, voilà, pour entrer dans la zone des Pyrénées, qu'est-ce qu'on prend comme radial par rapport au VOR d'Agen? Alors, attends, l'autre, il s'est perdu, l'animal, là. Le principe, c'est qu'on avance, tu vois? Ouais. On va sortir des zones d'Aquitaine pour entrer dans la zone de Pyrénées. Ouais. Ce point fait qu'on passe d'une zone à l'autre. On a un VOR ici. Ouais. Le VOR, on va regarder quel radial il a, ouais. On va le régler ici. Dès que l'aiguille sera centrée, ça veut dire qu'il faut changer de fréquence. D'accord. Bon, alors, on a une route. Ça pourrait être celle-là. Hein. Donc, en gros, on est quasiment sur le point de passer sur Pyrénées, là. D'accord. Ouais. Je vais appeler Aquitaine, on verra bien. Hein. C'est excessivement probable. Aquitaine, pour 100 novembre. Le problème, c'est qu'on est tellement loin, c'est même plus sûr qu'il nous capte tellement. Aquitaine, Fox, Tango Novembre. Voilà, il ne reçoit plus. Ouais, d'accord. Super. Et Pyrénées, tu m'as dit, c'est 126 525. Ok. Après, il y a des zones qui sont tellement vastes que les autres trafics, tu les entends pas parce qu'ils sont dans le trou. Ouais. On est dans Bledville. Philippe, c'est derrière à gauche, là c'est des zones de feu, c'est ça là? Bah, excuse-moi, des espèces de coupes grisâtres au sol là. Enfin, ouais, le sable là au sol. C'est des espèces de coupe-feu, c'est ça? Ouais, enfin, dans les Landes c'est plus marqué parce que on dirait des autoroutes si tu veux. Ouais. C'est beaucoup plus large. C'est large et ça fait des kilomètres de long quoi si tu veux. C'est des zones. Ouais, c'est des grandes lignes droites. Voilà. Information. Le service d'information de vol est fermé. Contactez Pyrénées Approche 128,8 seulement pour pénétrer en TMA de classe D. Super. C'est fermé quoi. On tombe sur ce qu'on appelle un RAI, répondeur automatique d'information. D'accord. Donc Capi pourra appeler et puis t'as un disque qui te dit c'est fermé. Revenez un autre jour. Et si c'est urgent, appelez notre fréquence. Et quelle autre fréquence pas dans ces cas-là? Ben te la donne la fréquence qu'il faut appeler en cas d'urgence. Ouais, okay. Mais là ce qu'on va faire, alors attends, il me faut une carte là quand même. À part Pyrénées, qui c'est qu'on peut appeler? Alors, à part Pyrénées, on a des TMA classe D de 1000 surfaces, c'est TMA Marsan, jusqu'à 3000. Ah bah, ouais, on est en train de les tangenter là. Bah non, on passe à côté. TMA Marsan, non. On a une autre classe D TMA Marsan, mais c'est à partir de 3000. Ouais, mais plutôt vers Toulouse, à ce moment-là, on va passer avec Toulouse au pire. Hein. Parce que là, on est vraiment en train de tangenter la classe D, tu vois. On est dans le coin supérieur gauche. Ah ouais, la classe D de qui? Marsan. On n'y est pas dedans. Bon. Techniquement, oui, on est passé dedans sur 500 mètres peut-être. Point supérieur gauche quoi. Ok. Ouais, enfin supérieur droit plutôt. Mais complètement loin et totalement éloigné des axes. Aquitaine, Fox Tango Novembre. Bon, bah, comme ça c'est réglé. Alors, non, il n'y a personne d'autre là. Attends, t'as le SIV de... Ah bah si, tiens, t'as le SIV de Toulouse. Attends, j'essaye de le deviner là. 121, 250. SIV. Ah oui, d'accord, ouais. Là, on le connaît. Celui-là, on va le garder jusqu'à Carcassonne là demain. Parce que là, en fait... Ah non, on n'est pas dedans encore. Ok. Donc en fait, on est entre les deux SIV là. Ouais, ouais. Le Pyrénées, on l'a un petit moment, mais je le capte pas. Enfin si, on le capte, mais il est fermé. 126, 625, c'est encore le même. Mike Bravo, on approche Sierra Alpha pour continuer. Aussi Mike Bravo, bien, vous pouvez mettre 7000 au transpondeur et appeler Muret, au revoir. Le transpondeur est à 3 minutes. Mike Bravo, merci. Toulouse, Fox Tango Novembre, bonjour. Station en plan, bonjour, répétez. Fox Golf Bravo, Tango Novembre. Pour le SIV de Toulouse. Fox Golf, Bravo Tango Novembre, Toulouse Info, bonjour. Bonjour madame, Fox Tango Novembre, Cessna 172 en provenance d'Arcachon, à destination de Toulouse-Lasborde. Actuellement à 1700 pieds, on effectue une route à destination verticale de Condom. On n'a pas pu rappeler Aquitaine Info pour les quitter, ils ne nous reçoivent plus. Donc est-ce qu'il y a moyen que vous puissiez les joindre pour pas qu'ils s'affolent? Ouais, c'est un fond. Alors là, je viens de vous voir, en fait, vous n'êtes pas dans mes espaces, là, vous êtes chez Pyrénées. Firme, mais Pyrénées est sur RAI, donc répondeur, donc comme on vient chez vous, on anticipe pour avoir quelqu'un en fréquence, si on doit faire un appel de détresse, on n'a personne à qui appeler. Quand en novembre, bien écoutez, restez sur ma fréquence, affiché 70 40, donc c'est avec Aquitaine que vous allez pas postuler. Voilà. Affirme, en quittant Arcachon, on a passé avec Aquitaine Info, et quand on a voulu les quitter pour passer avec Pyrénées, ben, ils ne nous captaient plus. D'accord, c'est côté Tango Novembre. C'est gentil, merci madame. En fait, elle va leur téléphoner. Voilà. À gauche, Condom. À gauche, Condom, d'accord. C'est déjà la ville de Condom? Ouais. D'accord. Ah ben le terrain, il est vachement loin de la ville. D'accord. Il est où le terrain? On n'y est pas arrivé, je pense que c'est l'espace vert clair là-bas peut-être. Ah oui, là-bas, d'accord, ok. 1 minute devant. D'accord. Ah ça y est, j'ai récupéré le... alors lui, il dit 5 minutes lui. Un peu tard, ah quoique. Donc après on n'était pas sous plan de vol, hein. Sous plan de vol, si lui il te fait passer avec celui suivant si tu veux, le contrôleur suivant. Donc si le passage ne se fait pas, faut absolument qu'il soit alerté. Parce que lui sinon il a une procédure, il doit déclencher. Non, c'est pas contrôle, c'est Bazin. Bazin. Là on n'était pas sous plan de vol, donc normalement Aquitaine il va pas trop s'affoler. Ouais. Néanmoins, par courtoisie, je préfère qu'elle l'appelle. Là tu dis bon, ton tango novembre, c'est bon, c'est moi qui l'ai pris en compte, tu vois. Je comprends. Je corrige, c'est Bazin qui est à notre gauche. D'accord. Une petite ville. Après il y a toujours des... Là. Comment on appelle ça des... Après c'est pas de la réglementation, c'est du savoir-vivre aussi quoi. D'accord. Bon, on voit que ça devient brumeux, tu vois, c'est... Ouais. Bonjour. Et c'est pas inquiétant si tu veux, c'est vrai que... Donc il appelle là se... Non. Bon. En fait, par rapport à tout à l'heure, on perd de la visibilité, mais on a peut-être 20 km, donc c'est pas... Il n'y a pas la... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais moi je pense... Fox, novembre, uniforme, bonjour. Ça c'est des météos qui sont pas inquiétantes en soi. La perte de visibilité n'est pas inquiétante parce qu'il n'y a pas de pluie annoncée. Fox, novembre, uniforme, Toulouse, bonjour. Oui, bonjour madame, le Fox, novembre, novembre. Parce qu'on a fait l'autre jour où il y avait des nuages, un risque d'IMC, là oui, il y a gravité parce que... De seul coup tu peux perdre la visie. Là on voit devant donc attendre nos diètes pour voir ce qu'il verra après. Ouais, on voit devant, on voit tout autour. Exactement. Ouais. 17, rappelez fin de travail. On va passer sur la village de Condom et on monte à 3000 pieds. Le village de Condom est devant. Et affiché 70-41. Et le terrain sera certainement 10-41 novembre uniforme. Là on est au pays du foie gras, du magret. On est à 3 minutes. On a le village devant. Je vais le passer un peu à droite pour que tu puisses le voir de ton côté. Ouais. Hop, 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 hop. Mais là, je pense que tous ces vols, c'est vachement... en termes d'apprentissage, là, t'auras vu... la totale, là. Ah ouais. Bah, la totale certainement pas, mais un bon éventail de vols quoi, c'est bon, on aura passé des vols des beaux temps tout le temps, bon d'ailleurs ce soit du mauvais temps, mais bon, l'altitude par ici elle est de l'ordre de 600. D'accord. Mais c'est certain que quand t'es pas habitué, bah tu vois là typiquement tu dis ouais la visibilité est bonne machin, ouais moi je perçois que ça se diminue, je suis incapable d'analyser si c'est bon, si c'est pas bon. Après ça, tu peux déterminer la visibilité. Ah ben, c'est Condom ça. Voilà, c'est la ville de Condom. Tu peux déterminer ta visibilité en disant voilà quel est le dernier point que je vois. Ah c'est la colline là-bas. Quelle heure il est? Toc, je mets le chrono. Là je vais arriver vertical, top. Putain j'ai volé 7 minutes à 200 km/h. Putain mais ça me j'ai une visite de 20 bornes. Allez c'est bon. Ouais mais c'est voilà, c'est simple. Bon puis on a pris la météo, on part pas en terrain connu. On a eu le prévisionniste, on a eu tout ce qu'il fallait, donc il n'y a pas de souci quoi. Condom, c'est où ils avaient tourné le film Le Bonheur est dans le Pré. Ah, c'était là. Ah, oui, avec Michel Serrault et... Ah oui, j'adore ce film. Et Eddie Mitchell. Il y a une espèce de bâtiment cubique, là. Ah, au niveau de l'église, non? Au niveau de la flotte. Par contre, il a dû pleuvoir quelque chose de mignon. Parce que dis donc, l'eau, elle est marron, hein. Ouais. Vous avez vu, il y a un château là-bas au bord de l'eau, on dirait, hein? Ah ouais, c'est de ça je parle. Ah pardon. Il y aurait plutôt une usine, mais... Ouais, ou un... Ouais, plutôt, ouais. À mon avis, c'était plutôt une usine, ça. Donc là, on tangente Condom avec une grosse église. Et on va avoir le terrain sur notre gauche dans quelques secondes. Droite. De droite. À droite, hein? Ouais. À droite, hein. Oui, tu as raison. Olé. Normalement, je devrais bien le voir, moi, le terrain à droite. Là, il est dans notre aile. Hein. Je pense que c'est le terrain vert que tu as à droite. Tu le vois ouais, à 30 secondes, là. Avec les hangars. Il est là, le terrain. Il est à droite. Ah oui, d'accord. On voit les hangars, là-bas. Ouais. Ouais, bah alors là, je vais te dire, il faut voir l'habitude. C'est clair. En fait, les aérodromes où tu as des pistes en herbe, souvent, ça fait des rubans d'une couleur différente des champs. C'est pour ça que tu le repères en premier. Et après, autour, tu vas chercher des bâtiments type hangar. Ouais. Et hop, après tu localises le terrain comme ça en fait. La seule difficulté c'est quand t'as des champs qui ont la même couleur que la piste. Alors là, et là c'est un petit peu le cas là. Ouais, tu pourrais le prendre pour un champ effectivement. Hein. Bah, disons qu'il est juste un peu long. Mais ouais, là, tu vois les marquages au sol mais en bout de piste. Donc là on est à quelle altitude j'ai vu tout à l'heure, 1800 c'est ça, un truc comme ça? Ouais, exactement. Et là j'ai dit qu'elle était à peu près à 600 pieds la hauteur du sol. Donc on est à 1200 pieds sol, donc environ 400 mètres. Là il y a une espèce de château d'eau amusant là. Ouais, j'aimerais bien qu'elle marche, putain, mais cette tablette de merde, tu vois, comme quoi. Alors, il n'y a pas de tortiller quoi, il n'y a que des trucs aéronautiques qui marchent bien. En termes de navigation, quoi. Il est 17. Hein. C'est abominable ce machin là, quoi. Rends-moi ça, quoi. Elle a décidé de me faire chier, hein. Putain, ça marche dans la chambre d'hôtel, mais dans l'avion ça marche pas, quoi. Quelle plaie, quoi, je te jure, moi. Fleurance dans 9 minutes. Ouais. Donc le top, on vient de le prendre, le cap, il va nous le dire, le gyro, il a été vérifié, l'altitude, on la garde, la radio, il n'y en a pas, le radionave, on s'en fout, les paramètres moteurs sont dans le vert, n'est-ce pas? Ouais, bilan carburant, ça fait les 17, j'avais marqué un top moteur à 17,14, mais un départ à 22. Allez, on va dire ça fait 1 heure, on était parti avec 4,30, il reste 3,30 d'autonomie. À la louche. Hein. Hop là. Monsieur l'instructeur Philippot, la check, elle était bonne. Bah quoi? La check point tournant. Ouais. Eh bah putain, mais ça déconne quoi. Quel merdier ce truc là. Alors. Gauche. Voilà. Whisky Hotel, je vais chercher Whisky Hotel moi. Hop. Ah bah dis donc hein. Et là on est en train de prendre de la gîte à gauche. De la gîte à gauche. Il est pas rassuré hein. Ça va? Non ça va, ça va pour le dire hein. Non je suis calme, tranquille. Tiens regarde, t'as un joli pylône à droite là. On regarde les petits villages. Montre-moi ton air calme et serein, Jean-Luc. Bon, un peu foncé, faudrait éclaircir l'image. Contraste. 27, ça fait 26. Hop là, 26, c'est en bleu. Donc, c'était juste un repère visuel, hein, Florence. Donc en fait on va passer juste au sud de Fleurance, c'est très proche, hein, et on va passer vertical, mon top ça sera la verticale de la voie ferrée, et suivi d'un cours d'eau. On va aller chercher le point Whisky Hotel, loin pour l'instant. Bon, Tarmac Hotel, vous quittez le SIV de Toulouse, 7000 au transpondeur, vous pouvez quitter, au revoir. Bon alors, super TV, t'as mal au transpondeur, on quitte, au revoir au Tarmac Hotel. Bon. Ah bah putain, mais c'est pas possible ce logiciel. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ah oui d'accord, j'ai compris pourquoi. Hop là, retirer. Oui. On va dans la mélasse. Non, non, c'est bon. C'est dégueulasse. Ah oui, ça c'est dégueulasse, ouais. Putain, mais pourquoi j'ai pas accès au menu? Putain, mais ça me gonfle ce truc là. Oh, c'est bon. Il n'y a plus rien indiqué sur ton GPS? Ouais, mais alors dis donc, je te dis pas. Hein. Je me suis servi de cette tablette, je m'en servirai plus jamais. Hein. C'est vraiment une belle merde ce truc. Hein. 2000 pieds, on est à quel cap là? On est au cap 100. 100. Ouais. Ok. Cap 100, cap 100, cap 100, cap 100, cap 100, cap 100, cap 100. C'est vrai que pour naviguer en Aquitaine, les points de repère n'ont d'une pipe. Hein. Ouais. Oh la vache! Là-bas, il y avait un pilote, mais il était vraiment pas haut, donc il n'est pas indiqué. Alors, altitude de sécurité ici, on serait à 1300 pieds. Au niveau de le transit, on a dit c'est Whisky, Hotel, Whisky Fox, Whisky Delta, et la verticale, hein, c'est ça. Alors, on a dit Whisky Fox, Whisky, non, Echo Bravo, après tu m'as parlé. Whisky, non, Whisky Hotel. Le premier pain, ça va être Whisky Hotel, là. Là, ça doit être Fleurance qu'on traverse, là. Sur la gauche, Fleurance. Ouais. Attends, ben je sais pas, je vois pas. Non, pour moi, Fleurance, elle doit être là. Ah, ben c'est bien possible. Ouais, ouais. Ça me paraît un peu tôt, en fait. C'est trop tôt? Par rapport au top, ouais. D'accord. Maintenant, j'ai pris de vitesse... Enfin, j'ai pris par rapport au log, hein, je prends pas en compte la vitesse réelle. Hein. Ça me paraît effectivement probable que ça soit... Est-ce que tu vois une voie de chemin de fer? Putain, mais tu sais qu'il me gonfle, ce putain de GPS, hein. Oh, dis donc, Florence, c'est une ville jaune. On a une voie de... Merde, c'est où ça? Ah, voilà. On doit avoir une voie de chemin de fer qui passe. On devrait pas vraiment être dessus, en principe. Hein. Parce que des villages dans le coin, il n'y en avait pas des tonnes, en fait. C'est pour ça que j'avais pris ça comme repère. Là, je file droit sur le point d'entrée de Blagnac, là. On y est dans 10 minutes, hein, ça va arriver vite. Hein. En tout cas, je vois pas de voie de chemin de fer. Moi non plus. Moi non plus. Enfin, si, il y en a une, mais elle est déposée, regarde en bas. Ah oui, 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 oui. On uniforme pour l'exercice au sud de Muret, okay, pour anticiper la fréquence, ça passe avec Muret. Oui, novembre uniforme, 7000 au transpondant, pour y rappeler Muret-Roi. 7000 avec Muret-Roi, madame. En fait, je vais te dire, avec les lunettes de soleil, je vois mieux que sans. Parce que ça polarise un peu plus, sans les lunettes de soleil, ça fait une tache blanche sans les lunettes. Et 23. C'est pour ça que je vois avec plus de contraste, et donc t'as plus de... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, j'y vois mieux avec. Bah, j'y vois mieux, c'est pas non plus la vision nocturne. Hein. Bon, on va le chercher au ski hôtel, 10 minutes. Hein. Un peu plus sur la gauche, hein. Voilà. Au ski hôtel, il y avait marqué 13 minutes sur le log. Toc, voilà. Le orange, j'y suis dessus. Donc il était 23. Hop là. Et devant, ça continue à être grassouilleux. Ah ben là je crois que jusqu'à l'arrivée ça va être comme ça. Ouais, ah ben c'est clair, ouais. Par contre il faudra que tu me donnes... Ouais, alors attends, j'ai dit qu'il était 23 en réel. On a la carte vague de l'Asword pour se la remémorer. Ouais, je te la donne. Parce que là on a 10 minutes devant nous, je te la reprendrai encore après. Hein. Ouais. Alors, en fait si tu veux, on va traverser les pistes de Blagnac. Ouais. Blagnac si tu veux, elles sont là les pistes, regarde en dehors. Okay. Donc on va débouler au point Eco Alpha. Ouais. On aura traversé les pistes de Blagnac. Et la sbord est là. Ouais. Donc il y a deux solutions. Soit le contrôle il va nous envoyer là-haut. Et après on ira là. Après ouais. On ira là ou là. Ouais. Ou le contrôle va nous envoyer là pour se poser là. Parce qu'en priori on va se poser. On va manquer le route ensuite pour rejoindre la sbord. Alors écoutez, on aurait souhaité un transit Whisky Hotel, Whisky Fox, Whisky Delta, avec une verticale de LFBO, si c'était possible. Et puis à l'issue, on sera à l'écoute du contrôleur pour savoir quel point suivre pour s'intégrer sur l'aérodrome de l'Asbord. Reçu en novembre, je vous rappelle pour le transit. C'est gentil, merci beaucoup madame. Elle va demander à la tour s'il nous accorde le transit. Ouais. En gros c'est ça l'idée quoi. Alors quand le temps est brumeux comme ça, j'aime pas trop voler trop, c'est pour ça que je reste pas dessus. Ouais, bah, je comprends. Parce que si tu montes et que la brume passe en dessous, tu verras, pour le coup t'es comme une cèpe, tu vois. Ouais. C'est que de la brume en redescendant, tu reverras. Et comme là, il y a de la brume horizontale, il faut voir le sol en permanence là. Ouais. Là il n'y a pas de on-top possible là. Voilà. C'est pour ça que je reste à cette altitude. Ouais. D'autant que le transit qu'on va faire à Blagnac, on va pas le faire bien haut. Hein. Je pense qu'on va le faire à 700 pieds ou 1000 pieds max. Hein. Parce qu'il y a les gros qui tournent autour. Hein. Ouais. Donc ça s'arrête d'arriver haut pour descendre comme des tarés, ça n'a pas de sens. D'accord. Là on a 2000 pieds, ça bouge pas. Pas la peine d'aller se mettre dans des trucs, tu vois, des courants à la mort moins le 2 quoi. Bon là je me suis un petit peu, faut que j'aille chercher au Whisky Hotel, tu vois. Le point d'entrée il est là. Et là ce que tu vois le trait, c'est ton axe. Voilà, je pense que tu prends beaucoup de gîte à gauche quand même là. Par rapport à la trajectoire initiale. Faut voir qu'on a 20 nœuds dans les fesses, hein. Ouais, 100 affichés, 120, hein. 120 ouais. Là voilà. Tu vas te retrouver un peu trop au nord de Whisky, de Novembre Whisky. Là j'ai l'estimé, je suis pile poil dessus, a priori. Ah bon ? Ah d'accord. D'après la tablette. Hein. D'accord. Il doit y avoir peut-être une méchante dérive, hein. Bon, j'irai plutôt de l'inclinaison surtout. Google Bravo Tango Novembre, affiché 34 70, transit approuvé. 3470, transit approuvé, Fox Tango Novembre. Oh bah c'était ça. J'avais un doute sur le chiffre. Donc quand j'ai un doute, j'énumère. C'était ça, j'écoutais. Ok, super. Donc la tour de Blagnac nous attend. Donc on va passer avec la tour de Blagnac. Est-ce que tu as une idée de la fréquence sur... ça m'évite de la chercher. Alors Blagnac, c'est le gros aéroport Blagnac, c'est ça. Voilà, tu devrais l'avoir sur le ACI. Ça serait du... Oh putain, c'est quoi ça? Alors attends, je dois l'avoir sur le tien. Merde, les fréquences. LFBF... LFBO. LFBO. En tout cas ça bouge pas, c'est agréable quand même. Ouais, ouais. Ça va mieux que tout à l'heure. Plus calme que tout à l'heure. Ouais. Ah ouais, ouais. Tout à l'heure j'étais pas, à l'aise. Non mais t'as raison. En tout cas pour piloter. Pour moi ça fait du 118. Hein. Pardon, 118 unités. 118 décimales unités. Merci. On va mal la donner mais. Ouais, ça. Ouais. Non, il y a un truc normalement. Alors ouais c'est ça normalement. Bon, bah ça éclairera pas des masses, hein. Et ouais. Ça joue certains trucs là, mais... Ouais, bah alors c'est peanuts, hein. L'éclairage il est à chier quoi, hein. Ouais. Ah ouais, normalement c'est là... Là tu règles la formation du Fox Yankee-Jet, rebonjour. Bon. Ouais, là je sais pas où ça joue, mais... Yankee-Jet, rebonjour. Tango Yankee-Jet TV20 en provenance de Roche à destination de Muret, 2 personnes à bord actuellement 2500 pieds pour bénéficier de l'information de vol. C'est Yankee-Juliet, affiché 70-40 au transpondeur. Je peux te dire, demain si on a ce temps pour partir jusqu'à Carcassonne, c'est pas grave, hein, on peut pas pleurer, hein. Ouais. On est à 7 minutes de Fox. On verra demain. Voilà. Moi je suis à 4 minutes à peu près de Whisky Hotel. Ah. C'est bon? Oui c'est ça ouais. Je l'avais pas vu, il y avait le marqueur qui était au-dessus de Whisky Hotel ouais. Alors c'est rigolo parce que devant ça fait tout gris, tout fin, c'est brumeux, ouais. Juste devant, et si tu regardes à droite ou à gauche, c'est plus net. C'est rigolo quand même. C'est clair sur les côtés et pas devant. Foncé devant ouais mais bon. Alors que la brume qui est devant elle est aussi sur les côtés de toute façon. Ouais ouais t'es dedans donc. On a une perception différente en fait hein. Bon, après, oui, mais ça fait un bout de temps que c'est comme ça, donc... Ouais. Parce que mon réflexe, effectivement, ça a été de regarder. Ouais, ok. Alors, Whisky Hotel de mémoire, c'est un relais herzien. Marqué sur le log, c'est un relais herzien. Sur le log, ça doit être marqué. Ah. Juste pour qu'on cherche au sol, quoi. On y est dans Whisky Hotel, lac de Bordette, forêt de Beau, machin truc. C'est marqué dans les commentaires, tu le vois bah, en dessous de Whisky Fox, il y a marqué lac de la Bordette, de la Bordette. Non mais nous c'est hôtel, l'entrée c'est hôtel, ah, Whisky Hotel. Ah oui merde, hôtel, relais herzien, ouais. Donc à mon avis, le relais herzien c'est celui qu'on a devant, tu vois où il y a la montagne. Un truc blanc là. Ouais, parce que dans 3 minutes, ça fait ça, hein. 3 minutes on y est, enfin pas. Hein. Donc je pense que l'antenne blanche qu'on a devant nous, regarde, je suis en train de la tanker en plein dedans, au niveau du track. D'accord. Ah, des relais herziens, 6 mètres relais herziens, c'est pas une petite antenne de merde, hein. C'est le truc visible, ah, tu vois. Là, c'est marrant, c'est pas écrit sur la vague. Ce qui est bien, c'est que les 3 points sont alignés. Whisky Hotel, Whisky Fox, Whisky Delta. La Whisky Delta, on sera au-dessus des usines de Airbus, ouais. Où ils fabriquent les Airbus. Donc ils viennent, vous pouvez nous confirmer que la zone de confort est inactive. On fera un virage à 90 degrés, on coupe les axes de Blagnac, ouais. Et on arrive ici. D'accord, et après là c'est l'inconnu. L'inconnu sur ce qui va être proposé. Donc il faut se préparer à tous les cas de figure. Moi je pense qu'on va se poser dans ce sens. Mais bon. Est-ce que tu peux nous redonner s'il te plaît, Pascal? Ouais. Les numéros de piste de l'asboard s'il te plaît. Les numéros de piste de l'asboard. Ah oui, de l'asboard. Bah c'est toi qui as la carte. Hein, donc, Non, j'en ai qu'une. Ah oui, l'autre elle est derrière, merde. Je suis con. Hein. 1533. Le tour de piste, il est à 2000 pieds. C'est bien le relais hertzien. Ah ouais, tu vois, c'était ça. Où ça? Devant nous, là. Ah, devant. D'accord. Bah, ça, c'est l'habitude, tu sais, de naviguer. C'est pour ça que sur les logs, tu marques toujours ce que c'est le point. Relais hertzien. Bon, mais là, si tu le vises là, bah, il doit être devant nous, il n'y a pas de tortiller du cul. Ouais, ouais. C'était bien ça. On a une double confirmation. Là et derrière, même le triple. Donc quand on va s'annoncer au whisky hôtel, il n'y a pas de souci quoi. Ouais ouais. On va essayer de l'attraper un peu pour le voir. T'as fait un pylône blanc en bas et rouge en haut. D'accord. Tu veux que je te le mette à droite ou à gauche? Bah à droite. À droite. Enfin c'est comme tu veux, le plus simple pour toi. Non, bon c'est pareil tu sais. Bon. Bah disons que si tu me le mets à droite, il faut qu'on soit à 500 mètres à côté quoi. Ouais. Bah on va y être. Hein. Surtout que mon chef pilote, il te dirait qu'il ne faut jamais passer vertical des points. Ah, oui. Ah bon? Parce que c'est un peu une zone de convergence de plusieurs trafics. Ah, donc le risque, c'est qu'il y a un risque de percussion. Si tout le monde passe au même point, au même endroit, donc il vaut mieux le décaler. Il faut passer un petit peu à côté. D'accord. Bon, là, on est tout seul en fréquence, donc il n'y a pas de risque qu'on percute le grand monde. Hein. Ouais, là, c'est calme. Hein. Oh, visuel. Je pense que l'usine Airbus, c'est ce que le paquet blanc là qu'on voit. Ouais. Fox Tango Novembre, on passe le point Whisky Hôtel, 2200 pieds au QNH 1018. Monsieur Tango Novembre, le QNH 1017, et vous pouvez maintenant appeler la tour 118 unités qui a les éléments du vol. Au revoir. Écoutez, c'est très gentil, merci madame, bonne fin de journée, on appelle la tour sur 118 unités. Et Atis 32 avec Saint-Martin en auto-info, le répondeur 825. Le 32 gauche dégagé de tout Atis 32, je passe à auto-info Saint-Martin. Airbus 01 India Papa, autorisé option piste 32 gauche, dernier en 240 degrés d'Ineux et circuit rouge à l'issue. Et un point remarquable. Look around and rest at San Francisco. Blagnac, Tour, Fox Tango Novembre, bonjour. Fox Tango Novembre, bonjour. Fox Golf Bravo, Tango Novembre, Cessna 172, 3 personnes à bord libérées par le SIV en provenance de Arcachon à destination de Toulouse-Lasbourg. On vient de passer Whisky Hôtel 2200 pieds QNH 1017 pour un transit Whisky Fox, Whisky Delta, vertical de vos installations et puis passer par la suite avec Lasbourg. Fox Tango Novembre, reçu, faites route Whisky Delta, je vous rappelle pour le transit vertical et à l'issue vous prévoirez Eco Bravo, Eco Alpha. Whisky Delta, on maintient 2200 pieds et ça sera Eco Alpha. Ok, donc c'est ce qu'on disait. Ce qui veut dire après Whisky Delta on ira chercher Eco Alpha. D'accord, voilà. Donc on peut préparer l'asboard 122.7. Donc là on met 122.7. Voilà. Alors Whisky Delta c'est un petit peu à droite, tu vois c'est même pas là les usines. Ouais. On sait que le tour de piste c'est 2000 pieds à l'asboard. Donc on n'a pas intérêt à descendre encore en dessous, s'il nous laisse à 2000 on le garde. Ouais. Sinon on va faire remonter, descendre. Ouais. Bon. Donc à la limite là on peut essayer de descendre gentiment à 2000, comme ça on sera déjà à la bonne altitude de tour de piste de l'asboard. Voilà. Dans 3 minutes on est au-dessus des Airbus. On peut imaginer que c'est ce qui est devant nous. Hein. Et en fait à gauche c'est bien une Airbus India Papa avec la tour 121 unités, à plus tard. 121 unités. À gauche c'est où ils fabriquent les A380. Ah d'accord, là c'est la piste de Blagnac qui est à côté de nous là-bas, elle est là-bas. D'accord. Et là c'est où ils montent les A320, A330 et A340. D'accord. Voilà, les 380 ils sont en face là-bas. C'est deux usines séparées. la piste de Blagnac à gauche. Hein. On voit la tour, elle est là. Donc c'est bien l'usine Lagardère à 3,80. Et là on va passer au-dessus des... Volotea 2 to Lima Lima, November 1, 913 to right, ready for departure. Volotea 2 to Lima Lima, bonjour from November 1, 913 to right. La piste en service est 32. Donc vraisemblablement à Lasbourg, ça sera la 33. D'accord, faut être cohérent. Ouais, c'est cohérent. Donc si c'est la 32, il va nous demander de passer vertical le seuil de la 32. Forte chance. D'accord, donc on peut déjà anticiper. Donc on va passer au milieu de la piste, mais on va passer au plus loin. Ouais, là je reconnais les hangars bleus de Toulouse. Ouais. Donc là on rentre dans une zone où il peut y avoir du trafic, donc on s'emmerde pas, on met les feux d'atterrissage. Comme ça en plus c'est brumeux, de loin on le verra le phare, ouais. Tu vois. Bah, c'est pas mal de faire ça. Et comme en voiture, c'est voir et être vu. Donc on va arriver sur Whisky Delta. Après Whisky Delta, vous allez entrer en vente arrière, pour les pistes 32 là, à l'ouest des axes, et vous maintiendrez en fin de vente arrière. Je vous ferai une info de trafic là d'un commercial en finale. Donc après Whisky Delta, on se reporte en vente arrière, main droite des pistes 32, pour confirmer. Alors les pistes 32, ça va vous faire comme une main gauche, donc une vente arrière au sud-ouest du terrain. Main gauche pour les pistes 32, et je vous rappelle avec l'information de trafic d'un appareil en longue finale 32. J'ai bien compris, merci monsieur. Donc on passe au Whisky Delta et on va se rapporter sur une vente arrière. Voilà, écoute, le Whisky il décolle. Easy 272 Whiskey, bonjour. Clear visual approach runway 3 to right, report short final. Clear visual 3 to right, call your short final. Easy 372 Whiskey. Là, tu peux pas le faire à Paris, évidemment. Ouais, Voilà, d'un cadre. Volotea 22 Lima Lima, red identify, contact to the approach 125.175, au revoir. 125.175, 22 Lima Lima, bye. Fox Tango Novembre, vous me rappelez en vue d'un 319 EasyJet actuellement à 6 nautiques, 5 nautiques là, qui s'établit en finale à vue piste 32 droite. On vous rappelle un but de trafic en finale, piste 32 droite, Fox Tango Novembre. Pour l'instant, on n'a pas visuel. Ça, c'est Franck Azal. Ah, c'est la question que je me posais. C'est l'équivalent du Bourget, si tu veux. Ouais. Où ça, à gauche? Et Tango Novembre, faites un 360 degrés de retardement par la droite, là, pour pas vous éloigner trop loin sur le long de l'axe. C'est bien pris, monsieur, un 360 degrés de retardement par la droite. Ok, donc hippodrome en attente. Donc là on a le terrain de... C'est l'ancienne base militaire de... Ouais, c'est Franck Azal, c'est ce que tu disais, ouais. Ouais, j'ai pris un Transal une fois pour la Saint-Pierre-et-Miquelon au départ, là. Bah, et là, maintenant, c'est devenu de l'aviation d'affaires, essentiellement. D'accord. Et une époque... Il y a... Tango Novembre, je vous propose de monter à 3000 pieds QNH pour le transit, parce que je vais avoir 5 finales d'affilée, là. C'est bien pris, monsieur, on monte 3000 pieds. Alors on se dit Zulu Tango is 11 miles out, speed 180, ILS 632 left. Zulu 09 Tango, bonjour, report short, final 132 left. Alright Tango. Easy 272 Whiskey, clear to land 132 right, wind 240 degrees 10 knots. Dès qu'on fait des trucs un peu sympas, ça nécessite quand même un peu plus de gestion de stress d'une certaine manière. Hein. Mais bon, après c'est le plaisir de faire des trucs. Tango Novembre, dès que vous avez atteint 3000 pieds, QNH 1017, vous visez la verticale du seuil 32 droite pour croiser les axes. Une fois atteint les 3000 pieds, on vise le seuil 32 droite pour franchir les axes, Fox Tango Novembre. On va les faire tranquille, on a 300 pieds. Donc ça va se passer à gauche les usines Airbus, Pascal, hein? Ouais. Le toit bleu là. Voilà. c'est excellent ça. Vraiment c'est excellent. Par contre là tu comprends sur le bloc de nav pourquoi tu as des délais de d'attente ou des choses comme ça, tu sais. Dans certains cas. Formidable. Ça y est, on est à 3000 là. Ouais. Donc au novembre, une finale, un Airbus 320 qui est à 6 nautiques là, donc il est dans vos 2 heures pour 5 nautiques sur l'ILS. C'est bien pris, Tango Novembre, on est stable à 3000 pieds QNH, 1017, on mise à la seuil de piste de la 32 droite, un petit peu de brume en dessous, j'ai pas visuel. Ouais, reçu, donc à l'issue, une fois que vous avez croisé les axes, vous visez Eco Alpha. Une fois les axes franchis, on vise Eco Alpha, Foxango November. Standard 09 Tango, VFR traffic system 172 is crossing the axis overhead threshold 3 to right, 3000 feet steady, so in case of missed approach, you maintain maximum 2000 feet QNH 1017. Max 2000 to go round 1017, 9 Tango. Qu'est-ce qu'il lui dit? Oui, il fait une release de gaz. Lufthansa 09 Tango, clear to land, runway 32 left, wind 240 degrees to our north. We clear to the left, 9 Tango. Easy 272 Whiskey, contact the ground 1219, over. 119, merci pour la droite, Easy 272 Whiskey. And so this is an Airbus India Papa, service 10 miles, 180 up, foot up. Airbus India Papa, bonjour, report, bonjour, gain, report shop, final 3 to left. On le voit pas là à droite. Et là-bas, t'as les 380 là-bas. Ouais, d'accord. Ok, vertical 32R là. On va annoncer les axes dégagés. Oh la vache, ce truc là-dessous. Ah, 09 Tango, I confirm, clear to land 132 to left, wind 240 degrees, 12 knots. Land to the left, 9 Tango. And the VFR traffic is no longer a factor. Bon novembre, les axes sont dégagés, on vise Eco Alpha. Affirme Eco Alpha, Eco Novembre à l'issue. Eco Alpha, Eco Novembre, merci beaucoup monsieur. Et Tango Novembre pour redescendre à 2000 pieds QNH. On descend à 2000 pieds QNH. Le gars qui est en bas. Ah, le mec ça lui fait du boulot quand même. Hein. Ah bah tu vois, à Toulouse, vous avez la ville de Toulouse à droite. Hein. Faire sans BFR, c'est pas courant. Hein. Bon, ça demande un peu de hein, préparation, gymnastique, mais bon, voilà. En fait, ça impose surtout de bien connaître la VAC avec les points et de savoir se reporter dessus exactement à la demande en fait. Exactement. Parce qu'après quand il dit tu fais ça, tu fais ça en simulation sur Ivao, tu fais ça 10-20 fois, tu viens ici, tu le fais dans l'année. Après il y a le pilotage en plus, ouais. Mais le point de report, les reports, les machins, c'est ça quoi. Là on est vraiment dans du pur VFR. Hein. Parce que là effectivement, c'est pas quand il te dit qu'il faut aller sur Eco Alpha qu'il faut que tu cherches. Hein. Ah exactement. Ah, ouais. C'est clair. Hein. Pour ça que tu vois, j'ai mis les cartes sous les yeux, j'ai tout sur moi là. On peut pas me tromper. C'est excellent comme arrivée. Excellent. Non mais ce qui est bien c'est que tu... Enfin là, de bout en bout j'ai compris ce qu'il voulait faire. Ah oui, voilà. Le gars il te demande d'abord de passer en hypo, puis après il te dit bon bah non il va y avoir du trafic. Enfin, c'est clair quoi. Et il limite à 2000 pieds la remise des gaz des gros. Faut pas qu'il nous tamponne, c'était une remise de gaz. Ouais. On passe Eco Alpha 2003 en descente 2000 pour Eco Novembre. Oui, Tango Novembre, passez transpondeur 7000 et quittez ma fréquence là si vous souhaitez appeler l'asbord plus tôt. Écoutez, on passe à 7000, on appelle l'asbord et c'est très sympa, merci beaucoup monsieur pour le transit. Au revoir. Allez. L'asbord, Fox Tango Novembre, bonjour. Tango Novembre, bonjour. Bonjour monsieur, Fox Golf Bravo Tango Novembre, Cessna 172, 3 personnes à bord, provenance Arcachon. Destination de vos installations, on vient d'être libéré par la tour de Toulouse de Blagnac après un transit de leurs installations. Actuellement on fait route Eco Alpha, Eco Novembre. On va être stable 2000 pieds QNH en transport de 7000. Tango Novembre, donc vous passez Eco Alpha de la position, faites route vers les installations, entrée vente arrière 33, rappelez vente arrière. Fait route vers les installations, rappel vente arrière, piste 33, Fox Tango Novembre. Bon ça tu vois on l'avait pas prévu ça tu vois. Ouais, ça se passe jamais comme tu veux. Donc moi j'ai tapé Eco Novembre, il me dit vente arrière. Donc vente arrière, je vais aller chercher le point de Delta Sierra quoi. Hein. D'accord. À 2000 pieds, puisque c'est le tour de piste. Donc là il faut ouvrir les... Victor Lima, vente arrière pour un... entendu ma numéro 1 rempli final 33. Alors, Lasbord, vous voyez la rocade à droite, hein. Vous voyez la rocade, ouais. Tu suis la rocade, tu la suis mentalement, ouais. Et au bout, t'as une espèce de flèche là, c'est la fusée Ariane. Je vois. Et à gauche, la fusée Ariane, il y a une zone vert clair. Il est là, la zone. Flight approximately 3 class for takeoff, wind 250 degrees 10 knots, maximum 1.5. Non, mais c'est et là, on n'est plus dans l'axe des pistes de Blagnac, alors Blagnac est loin maintenant. Il est par là, ouais. Tout de hors golf, reporten off down. Ouais. Okay. En fait, il est là-bas à 13h, quoi. Voilà, le terrain, on est en vente arrière, là, ouais. Tu vois. Là, on va couper la première autoroute. Ça, c'est l'autoroute qui va à Albi. Elle tire dessous, là. Normalement ça il faut pas que j'y passe dessus, donc faut que j'aille chercher un coup à gauche, et là c'est un peu chiant quoi. Non, à droite, à droite, à gauche, allez. Là il y a plein de villages à éviter, c'est un peu la merde quoi. Là tous ces ronds bleus là, ouais. Faut les éviter quoi. Alors tu sais t'es pas du coin, hein. Moi je suis né ici, je connais, mais enfin quand même, hein, vu du ciel. Ouais mais t'en as un peu partout là. Ouais. Là j'hésite cette zone là. Voilà. Ok, visuel sur la fusée à nouveau. Voilà. Après le fait, tu sais, de faire une radio rapide, concise, pas trop hésiter ou quoi, le mec dit bon lui il est en confiance, c'est ce qu'il veut, il a l'air de maîtriser son truc, je vais lui accorder. Si tu commences à papoger dans la seconde, le mec te dit excuse-moi mais non. Ouais. Parce que le mec ça lui fait du taf, hein, t'as vu ce il a du trafic hein. Toi tu viens me faire chier avec ton coucou de merde là pour voir 3 avions voler Bon ben demain si on attend comme ça va le faire hein. Ouais. Et là on partira comme ça vers Carcassonne et après Carcassonne ça va s'ouvrir hein. Tango Novembre, on est en vente arrière, piste 33 moins, droite. Tango Novembre numéro 2, le précédent Robin, milieu de base, rappelé final. Numéro 2, on rappelle en finale, 33, Fox Tango Novembre. Alors le terrain il a quelle altitude là? 460, ok. Voilà, le circuit, t'as vu comment il est? Comme je disais, il a une forme d'une couille quoi. Ouais, il n'est pas rectangulaire, il faut suivre ces ronds là, tu vois. Ouais. Ça fait une forme un peu, d'ailleurs on voit bien qu'on fait un truc un peu bizarre hein. Alors là c'est bien que quand t'as la carte comme ça, c'est quand même un confort hein. Ah oui surtout en format A4 hein, c'est nickel hein. Ouais. Là il y a un centre commercial, là Leclerc, ouais. Ça c'est ce qu'on appelle le village de Saint-Orin. C'est un village, c'est immense hein. En fait, j'ai vécu là pendant, mes parents habitent là d'ailleurs. Hein. Ah d'accord. J'ai vécu là pendant 25 ans quoi. Enfin, peut-être pas 25 parce que je suis parti tôt, mais 20 ans quoi. Et tes parents sont originaires d'ici. Victor Lima Polo, en vente arrière, point touché. Victor Lima Polo, en finale, point touché. Victor Lima autorisé touché, piste 33, 250 degrés, 10 à 15 nœuds. Victor Lima Polo, autorisé 15 nœuds. Ah d'accord. Ça va. On est sur des valeurs raisonnables. Hein. Bon. Joli baraque. Hein. Voilà, c'est tous les quartiers résidentiels de Toulouse là. Hein. Ouais, mais là au milieu des champs. Ah, il y a peut-être des maisons, des belles maisons, ouais. Et passe carrément. Là t'as un petit château. C'est le château de Queiras là. D'accord. C'est son nom. On va faire le virage au-dessus du Leclerc en fait. C'est assez typique hein, comme... Bon derrière, il y a un pilote qui vole à l'ogne. Alors lui ça le fait rigoler de passer au-dessus des maisons et les sommes commerciaux. C'est à Paris, c'est normal. C'est vrai que pour un provincial, bon ben... qui m'a dit de rappeler en signal, donc je le rappelle par base. C'est pas ce qu'il m'a demandé. C'est pas en base? Ouais, il m'a dit en finale. S'il y avait un avion en base, il m'a dit numéro 2, rappeler finale. D'accord. Donc je vais faire ce qu'il me dit. Il vaut mieux. Oui, je peux plus la journée. Fox Golf Charlie, India Papa, bonjour. Bonjour India Papa. Fox India Papa, India 400 au parking d'Assaut Breguet pour un tour de piste suivi d'une navigation à destination de Gaillac. Avec information Fox. India Papa, roulé point d'attente 33, rappelez prêt. Je roule et je rappelle prêt au point d'attente 33, Fox India Papa. Que tu vois la boule devant là, ouais. C'est les zones de... Delta Golf approaching the atmosphere to clear the frequency. Delta Golf is the frequency you tomorrow baby. La majorité des satellites qui sont envoyés par Ariane, les satellites français, sont assemblés là. D'accord. Allez, la finale est dégagée. Bon, je suis un peu sur le plan. C'est pas grave. On va le récupérer. Ah. Fox Tango Novembre, on a établi finale piste 33 pour un complet. Tango Novembre, opposé atterrissage 33, 250 degrés 10 à 15 degrés. Atterrissage piste 33, Tango Novembre. Bon, ben, on continue avec les vents de travers. Hein. Ouais. On le voit bien 250, hein, forcément le vent il vient bien de la gauche. Hein. Ouais, ouais, ouais. Un classique là. J'arrive un peu au-dessus du plan, mais quand il y a du vent comme ça, c'est pas très très grave parce que tu le récupères après ton plan. Faut pas arriver non plus trop haut parce que t'arrives trop haut, après t'arrives trop vite. Hein. Et du coup, après tu fais pas la piste. Hein. Bon, là j'ai la vitesse, je suis à 70 nœuds. Je vais aller récupérer mon plan. Et il est long à rentrer le plan. Voilà, ça y est. Ah oui, il y a putain de bon vent de travers quand même. La bord de Fox Bravo Extra, hôtel uniforme, bonjour. Hôtel uniforme, bonjour. Fox hôtel uniforme, un cadre de maquette avec information Fox, demandant le roulage pour un local vers Pigneux, voilà. Le 17 novembre. Hôtel uniforme, roule fin d'attente 33, rappelez prêt. Hôtel uniforme, je roule fin d'attente 33, je rappelle prêt. Victor Lima Solo, en vente arrière pour un toucher 33. Rappelez final numéro 1, Victor Lima. Victor Lima Solo, je rappelle final numéro 1. Au resto, l'hôtel il est en bas, vous voyez, il y a les feux rouges là. L'hôtel il est juste là, on voit le toit d'ailleurs dans les arbres, le toit rouge. Fox Tango Novembre, la piste est dégagée, on aurait souhaité refumer s'il vous plaît. Tango Novembre, après le refueling, vous restez combien de temps? En fait, on repartira, si la météo le permet, demain matin. D'accord, reçu. Donc, roulez pour la pompe taxiway principale, c'est juste après le restaurant sur votre gauche. C'est bien pris, monsieur, on roule pour le vitaillement. A tout de suite. Alors, on va couper la pompe. On laisse les feux de roulage. Le manche à droite. Bien de travers. Hein. Ah oui, mais t'as vu, hein, c'est... Alors, tu vises toujours la ligne médiane, parce que si tu vises pas la ligne médiane, encore plus en se finir dans l'herbe. Après, le dernier déport qui te déporte, tu cherches plus à le corriger, là, parce que le risque, c'est que la roue opposée au vent touche en premier et que tu te retournes. Ouais. Donc, il faut pas non plus se la jouer. Moi, j'ai pas 3000 heures de vol, hein, donc je fais avec mes moyens. Aussi proprement possible, on casse pas l'avion, on se fait pas mal. Après, le reste, hein... C'est que de l'ego, hein. Ce qui est bien, c'est qu'on a la carte totale et la carte BP, donc tu vois, on peut refouler où on peut. Ah, c'est génial ça. Fox Tango Novembre, pour le refueling, c'est du jet à 1. Y a moyen? Oui, affirme. C'est la pompe qui se trouve sur la gauche, j'imagine. Alors, maintenant sur votre droite, c'est la pompe totale en fait, avec la carte totale. Super, merci beaucoup monsieur. Avec plaisir, à tout à l'heure. Il faudra le rappeler pour rouler et revenir au parking. Ouais. Normalement, on va se garer au pied de la tour. Vous êtes content, Pascal, parce qu'on va faire de super photos là. Ah bah là oui. Tu vois, ça lui aurait manqué un peu. On a la place pour mettre les ailes, tu vois. Donc si ça va pas, on prend l'arrêt 33 après au départ. India Papa, lignez-vous 33, autorisez décollage de 150 degrés 10 à 15 nœuds. J'ai ma ligne et je décolle, Foxy India Papa. Voilà. Je vais essayer d'attraper celui qui décolle là. Ah, tiens, regarde, t'as un train classique qui arrive à droite là. 63, 6. Alors, il est 18h57. Bon, j'ai pas dû noter le bon numéro parce que là, j'ai un numéro là-dessus qui est 649, là j'ai 619. Donc, je pense que c'était 469. De toute façon, le numéro qui est là, on l'aura sur le précédent. Et on a volé, pour être précis. La borde de Fox Charlie Lima, bonjour, rebonjour. Charlie Lima, rebonjour. Tu vois, on a volé une heure. Charlie Lima, nous venons de passer le point Saïko à 2000 pieds pour une intégration en vente arrière dans 10 minutes. On a tournicoté ici. Charlie, il m'a rappelé ni de l'intérieur 33. On a volé 1h45 alors qu'on avait dit on ferait 1h30. Mais le quart d'heure. Je rappelle la minute, Charlie Lima. La balade autour du bassin d'Arcachon. Ouais, mine de rien. Victor Lima solo en finale pour un toucher 33. Ouais, Victor Lima autorisé toucher 33, 240 degrés, 10, 15, 9. Victor Lima solo autorisé. Mais bon, ce qu'on fait là, je vais te dire, c'est pas sûr que moi je le refasse avant quelques années non plus, tu vois. Bah là. Et je pense que peut-être que vous le referez jamais. Le survol de Blagnac. Un survol de Blagnac, enfin un survol d'aéroport comme ça, où en plus le mec il te met en attente, non, ça je pense qu'à mon avis, ouais. Jamais de la vie je le referai. Et tu vois, des gens comme Bruno, c'est curieux qu'il n'ait pas tenté de. Enfin, tenté, qu'il soit pas tenté de le faire. Parce qu'à Paris, c'est frustrant d'avoir des gros aéroports et de ne pas pouvoir les survoler. Ici, on peut faire Marseille, on peut faire Toulouse. C'est quand même inespéré. Et puis le mec, ça lui fait du boulot, mine de rien. Ah bah, ça... Il a fallu qu'il nous machine. Par contre, pour faire le plein, on sera obligé de sortir de l'avion. Ouais, on a le droit de faire le plein avec du monde dedans. Du monde normal. Ah, mais tiens, on va regarder tout ce qui est la prise statique et tout là. Tu sais, optimisé pour la masse. Je peux reculer, c'est bon. Je vais avoir 52 de vidéo. 1h52 ouais, pour 1h45 de vol, c'est cohérent. Ouais, j'avais mis juste avant de partir. Là. Là, je suis content parce que là, on a fait une approche top. Pas de reproches, on a fait ça comme il faut parce que c'était clean, c'était préparé, c'était machin quoi. C'est que tu fais des approches un peu à la Johnny One Again quoi, et ça te rappelle vite à l'ordre. Hein. Tu vois? Et ouais. Ah. C'était top. Se régaler quand même, hein? Excellent. Ah ben là en plus ça m'a vachement aidé que tu sois là parce que. Ouais. Bah pardi, oui, parce que moi, après Jean-Luc il fait avec ses moyens ce qu'il peut, mais là il y a des moments de 2h20 je me sens un peu seul parce que tout à l'heure il fallait que je règle la radio, le machin, le truc, bon ça va, c'était pas cher le temps. Là je suis d'aucune utilité, ça, non mais c'est pas un reproche. Ah non mais je sais, hein. Mais bien sûr, non. Et comme t'avais un peu, tu te sentais pas à l'aise de piloter, du coup c'est pas évident de tenir le manche, tenir les caps, préparer les cartes. Non, j'ai été refroidi au début, enfin non pas que ça secouait, mais ça bougeait un peu trop pour moi. Et à chaque fois que je tentais de bouger, j'avais l'impression de faire pique bien, donc non, mais et donc du coup ça te met pas en sécurité alors que sur les deux. Bon, et ben voilà. Et déjà on est parti, je pense que t'as dû être séché aussi par le décollage où on s'est un peu branlé. Ça fait du bien de s'arrêter aussi quand même. Et bien à la prochaine fois et demain dernière branche, la 5e, retour à Avignon si tout va bien. On verra la météo. Bye bye.